7 hours driving on the highway. Far away, far away, far away. Every moment I was spending on regrets was such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky. But I
I think I let my guard down. Certain things ain't the same now. Hard to navigate these problems. I'm by myself, you're not around. I try to open up, it wasn't good enough. Put in my all and got nothing back. Now I'm stuck in the rain, dealing with all this pain. Why you gotta do me like that? Don't say you love me, then go and leave me. It can't get ugly, trust and believe me. Saying to myself, looks are deceiving. Trying to fight back, this far from easy. But I see your hands. Delilah, don't you know my eyes see your hands. Delilah, don't you know my heart turned cold. Lost control, looking at this beautiful distraction. Fell in love with a fatal attraction. I really let my guard down, now relaxing. Why did I open up? She taking way too much. Put in my all and got nothing back. I'm feeling so ashamed, I fell into your game. Why you gotta do me like that? Don't say you love me. He chose to leave my life, so I'm on my own in a cycle. I can't believe. Don't say you love me, then go and leave me. It can't get ugly, trust and believe me. Saying to myself, looks are deceiving. Trying to fight back, too far from easy. I see your hands. Delilah, don't you know my eyes see your hands. You're the new MC, you got the remix.
sound. So good, so fresh, just the way you like it. This is a shakedown. Heart overhead, and I guess love to watch the way you made me into a mess. Hands on my dress, neon red. You were everything I didn't need until you left. Now I'm dancing around my living room. I get drunk on the thought of you and I, when you were mine. See your eyes in every stranger. I replay the way that we were till I'm high. No, it's not right.
cette série. Attention, les mains qui s'élancent. Le tir et le but! Kenlon en reçoit. Mais Léonard qui joue très agressif, mais malheureusement, qui se passe tout. Ah là là. Le premier kill qui était placé. Après une défaite de 5-0 dans le match numéro 1, les conquérants sont de retour. Ah, Mano, on flash pour essayer d'attaquer. Oh, c'est une mais... Très bien, c'est. Les mains qui neutralisent le ballon sur le mur arrière. Le tir est quitté, le pas transversal. Tout un arrêt de Louveton qui vient sauver la mise. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, match important, le retour de l'équipage. Je ne suis pas seul, je suis accompagné du magnifique. Je te laisse dire ton pseudo. Whoop Hippo. Whoop Hippo, Whoop Hippo le dieu, voilà, le vrai. Vous le connaissez peut-être pas, mais ceux qui le connaissent auront la référence. En tout cas, Whoop Hippo, qui es-tu? D'où viens-tu? Bah, plutôt, c'est ça, d'où viens-tu en fait? Est-ce que t'es de Limoilou? Un supporter de Limoilou? Je suis pas un supporter vrai officiel de Limoilou. J'étais un étudiant en fait au Cégep de Sainte-Foy. Mais j'aime bien l'équipe des Conquérants. Je compte souvent pour eux. Fait que. T'as intérêt. Donc il aime l'équipe des Conquérants, même s'il est de Sainte-Foy. Attention parce que s'il y a des viewers de Sainte-Foy dans le chat, ce que j'espère en vrai, j'espère ce serait bien qu'ils savent qu'ils soutiennent. Pas. Et en vrai, voilà, petit spoiler pour le match de la soirée, même si vous le voyez juste en bas de nous. Justement, Limoilou affronte Sainte-Foy ce soir. Donc il risque d'y avoir des viewers de Sainte-Foy. Des joueurs probablement, parce qu'on va leur envoyer le lien forcément. Mais voilà donc, Oubipo, étudiant à Sainte-Foy, est-ce que tu connais l'équipe du Cégep ou pas? Réponds honnêtement, l'équipe de ton Cégep à toi. Je les connais pas. Il les connaît pas. Non. Bon, donc pas de préférence finalement sur ce niveau-là. Pas mal ça, ouais. Pas mal ça? Ouais. Et Limoilou, on a parlé vite fait, on a eu un petit briefing. Ce soir, qui est-ce qu'on a ce soir? On retrouve en top lane monsieur, il s'appelait Puffelo, je sais pas combien, mais il a changé son pseudo en Spotify user 31, un truc comme ça. Donc c'est le top laner que tu connais peut-être pas vu qu'il est nouveau, mais c'est un top laner qui joue du carry, il joue de la Fiora, du Aatrox, des trucs qui éclatent les ennemis quoi. Toi qui es un petit peu familier avec League of Legends. Ouais, ouais, effectivement. Est-ce que tu peux nous citer d'autres personnages comme ça? De tête. De tête, ben. De tête. Et je te dirais s'il les joue ou pas, je pense. On pourrait dire peut-être 7. 7, c'est vrai. Spotify user, si tu écoutes ça et que tu ne joues pas 7, mets-toi à jouer 7. Parce que c'est ça, c'est le type de personne que tu aimes bien. Et c'est vrai que ça éclate des crânes. Parce ouais, effectivement. C'est le nom de son E en fait. Cassage ouais. De tête, un truc comme ça. Bref, oui. C'est ça, question, forcément, parce que je me posais aussi la question, tu te posais aussi la question, tout le monde se pose aussi la question. J'ai perdu la question. Non, oui, est-ce que tu as déjà de l'expérience dans le casting ou pas? Les gens sont curieux, parce que c'est ça, on a des guests, mais les guests, forcément, ils ont peut-être pas l'expérience, et le but, c'est de se forger d'expérience, et ça se passe très bien à chaque fois. Non, effectivement, c'est la première fois que je fais du casting, mais je suis très heureux de le faire pour la première fois avec toi. Avec moi? Ouais. C'est parce que t'es avec moi ou juste pour la première fois? Ouais, avec toi. Oh, c'est vraiment sympa, c'est vraiment cool ça, merci beaucoup. Ça plaît. Donc voilà, soyez gentils avec lui, mettez-lui un maximum de love dans le chat, s'il y a des gens dans le chat. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat? Oui, il y en a, c'est sûr. Regardez, il y a 7 personnes là, écrivez là, soyez pas timide. Ah, tchit. Attends. Bon, c'est... Il n'y a personne. C'est triste. Mais c'est pas grave. Il y a les gens invisibles, en tout cas, te soutiennent. C'est correct, ils sont gênés. Là. C'est correct. Ils sont gênés. C'est pas okay. Ouais, non, oui. Ben non. Ah si. Oh. Hey, let's go. Sacfeb, merci à toi. Sacfeb, si vous ne le connaissez pas, gagnant de la LCSE l'année dernière, Division B. Bah, il était dans l'équipe B, c'est ça. Et cette année, il a remplacé en début d'année l'ADC d'équipe C qui n'existait pas encore. Ouais. Mais là, c'est bon. Il y a un vrai ADC pour l'équipe C. Enfin, un vrai ADC, un ADC officiel. Donc, l'équipe C qui manquait d'un ADC, c'est ça. Du coup, Sacfev, qui maintenant n'a plus rien à faire, c'est lundi soir. Et peut enfin venir sur le live. Enfin, un viewer qui, j'espère, sera... comment on appelle ça quand les gens reviennent souvent? Régulier. Régulier, c'est ça. Sacfev, t'as intérêt à être un viewer régulier. Et on attend aussi le maire de Saint-Philibert. Bref. Ah, c'est des... Non, t'as peut-être pas la référence, mais c'est pas grave. Et c'est les plus anciens l'auront. Parfait, c'est les plus bon. Anciens l'auront. Non, mais me regarde pas bizarrement si je dis des trucs bizarres.
Même si tu aurais le droit, mais voilà. C'est pas de Bref, problème. on va directement passer à qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Voilà, en même temps avec les posters d'Among Us. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Donc, en gros, les matchs de la semaine dernière, les matchs jusqu'à maintenant. J'ai préparé un petit récapitulatif, si tu veux bien le lire, en essayant de ne pas lire, mais de expliquer, c'est ça. Allez, Ok, vas-y. c'est bon. C'est bon? C'est bon? Parfait. Donc, la semaine passée, on a eu avec l'équipe Nashor, Donc, l'équipe Nashor qui est, les attention, conquérants, les conquérants Conquest effectivement. ce soir, ou c'est pas eux, ou c'est eux? C'est eux en conquête ce C'est eux Conquest soir. ce soir, c'est bien, il suit. Parfait. C'est bien Donc, parti. il y a eu une victoire contre les Victoriaville et une victoire contre Saint-Jean-sur-Richelieu, la première équipe. Voilà, première, ça c'est très bien d'avoir précisé ça. C'est vrai, hier, enfin la semaine dernière, nos conquérants Nashor ont battu le Cégep de Victoriaville qui se trouve. Je suis pas à l'aise moi avec la map du Québec. Est-ce que tu sais où c'est? Faudrait que je fasse un peu de recherche, Bon, c'est donc pas non. grave. Donc Victoriaville, on ne sait pas où c'est. Mais Victoriaville, qui est une équipe qu'on retrouve souvent dans les hauts des classements depuis. Bah, en tout cas, l'année dernière, ils étaient en Division 1. Donc Victoriaville, qui est une équipe assez forte, qui était jusqu'à. Excusez-moi, jusqu'à maintenant, bah, l'équipe la plus forte de la pré-saison avec les conquérants. Mais du coup, ils se sont fait battre. Donc c'est les conquérants, Nashor pour l'instant, les plus forts de la poule. Puisque grâce à leur deuxième win, enfin à leur deuxième win de la soirée contre Saint-Jean-sur-Richelieu, est-ce que tu sais où c'est? Non plus? Saint-Jean-sur-Richelieu, non plus. Bon, tu serais pas, on t'a pas invité pour la géographie. Pas à toutes. C'est ça. Mais c'est ça, ils ont battu la première équipe de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc ça leur fait actuellement un total de 6 victoires pour 0 défaite. Regardez cette phase, ça fait Parfait, ça. surpris. Enfin surpris. Non, c'est pas surpris, c'est plus de. Genre, c'est cool quand même. Oh oui, c'est C'est cool. ça, c'est impressionnant, là. Voilà, c'est impressionnant. Les conquérants de Limoilou qui sont la seule équipe jusqu'à maintenant à n'avoir reçu aucune défaite pour la Incroyable. pré-saison. Et ce soir, c'est le dernier match de la. Enfin, le dernier jour de la pré-saison, il me semble, si j'ai faux, dites-le-moi. Le dernier jour de la pré-saison. Donc, si les deux matchs sont win, et je vois qu'il y a des chats, on va en parler très vite. Mais c'est le dernier jour de la pré-saison, il me semble. Donc si leurs deux games de ce soir sont des victoires, ça veut dire, tu fais le calcul dans ta tête, Ça peut être bon, oui. ça peut être bon, ça Ouais. veut dire que zéro défaite. C'est quand même un bel exploit s'ils font Oh ça. non, ça serait parfait, ça. Moi je dis, il leur faudrait un petit Une équipe cadeau. sans faute, là. Hein. Une équipe sans faute, c'est ça. Et en plus, on m'a dit dans l'oreillette que toutes leurs victoires n'étaient pas closes pour l'instant. Donc c'est que il faut ouais, venir les titiller nos conquérants. Faut Ouais. aller les chercher ce Bah oui, soir-là. c'est sûr, là. C'est ça parce que on aime bien que notre équipe gagne, mais à un moment faut pas que ce soit du smurfing. Ah non, c'est ça, il faut C'est ça. avoir un moment donné de l'action, là, dans les Ouais. games, là. Après les games n'étaient pas forcément extrêmement close d'après ce que j'ai compris, Ok. mais c'est pas parce que les ennemis étaient pas bons, enfin étaient moins bons, c'est parce que les ennemis s'étaient un petit peu moins bien organisés. Ah, ok, c'est Donc ça. si se sont organisés depuis la semaine dernière, là ça peut chercher, ça peut chercher. Bref, c'était pour les petites news de nos conquérants. J'ai vu qu'il y avait des messages. Est-ce que c'est intéressant? Enfin, c'est forcément intéressant, mais. Bon. Ok, une petite question de Monsieur Puzzer Fisher sur le live. Monsieur Oupipo, qu'est-ce que tu manges pour être beau de même? Et c'est vrai que j'ai vu que tout à l'heure tu as mangé, donc c'est vrai, il mange avant les lives pour l'apparence. Oui, effectivement, évidemment, pour que je mange, hein, pour rester beau de même. Bah oui. Fait que qu'est-ce que je mange? Ben évidemment, je mange des salades, des burgers, des Ah, ok. pizzas. T'avais dit salade, je pensais que c'était diète, tu vois. Ben non, Finalement, de la junk voyons. food, quoi. Ben oui. Ouais, forcément. Ah oui. Bah oui, mais Un petit junk food. McDo de temps en temps, là, c'est bon, là. Ouais, donc. Ben oui. Ah oui. Donc, bah, de temps en temps. Pour toi, de Temps en temps en temps, temps, tous c'est les tous les jours. soirs, quoi. Ouais, ok, Ouais, c'est ça, évidemment. de temps à temps, quoi, c'est Ben ça. oui. Bref, bah, c'est ça, McDo. Donc, retenez bien McDonald's pour être aussi BG. Il y avait peut-être un deuxième truc. Est-ce que c'était. Personne ne l'a dit dans l'oreillette? Mais si, Pudgerfish, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. On me l'a dit dans l'oreillette, genre j'ai un. On n'est pas seul là. Attends un peu, là, je viens de voir aussi qu'il est en train de dire que tu le t'as en fait détruit son nom en fait. Non! Puffer Fisher, au lieu Puffer de dire Fisher, j'ai Puffer. détruit ton nom! Non, c'est Puffer Fish, voyons! Quand Non! même. Ah oui, pardon! Quand même. Pardon, Pusher Fish. Désolé, Voilà. Puffer Ouais, Fish. désolé, Pusher Fish.
Bref, trêve de bavardage, on a aussi eu un deuxième, enfin on a trois équipes dans notre cégep. Ouais. Donc expliquer les scores d'une équipe, c'est bien, mais de deux équipes, c'est mieux, et de trois, ce serait encore mieux. Donc on va passer à la deuxième équipe, l'équipe Dragon, qui a joué la semaine dernière, qui s'est bataillée la semaine dernière, qui a... J'ai pas d'autres synonymes. Bref, peux-tu la nous expliquer ce qui s'est Parfait. passé? Donc, il y a eu une victoire contre Lionel Groulx, la deuxième Goals, équipe. la deuxième équipe. Ouais. Lionel Goulz qui se situe, tu as fait la révision, on l'a regardé tout à l'heure, Oui, c'est ça. souviens-toi. En fait, c'est dans le coin de la grande région de Montréal, Voilà. plus précisément proche de Blainville, Voilà. Sainte-Thérèse. Donc là, en fait, je t'ai invité pour la géographie, c'est ça. Donc Lionel Groulz, Montréal, bam, on les a Ouais. battus. Pas pire. Puis aussi, il y a eu une défaite contre l'Assomption, première équipe. L'Assomption qui est quand même une équipe qu'on a retrouvée l'année dernière en division 1, il me semble. Ou pas, je me souviens plus. Mais bref, c'est une équipe, bah, contre qui c'est vrai qu'une défaite, ça arrive, quoi. Ça arrive. En tout cas, nos conquérants dragons, qui se sont sûrement bien bataillés, j'ai pas vu. Parce que la semaine dernière, qui a été casté, c'est l'équipe Scuttle, qui malheureusement a perdu en live ses deux matchs. Mais ça arrive. On avait Ah aussi. oui. Attends, pour l'excuse, on avait le nouvel ADC qui venait d'arriver. C'est ça, il a eu qu'un entraînement, il me semble, avec la team. Moi, je Ok, trouve mais qu'il avait là. assez bien performé pour le fait que il venait de commencer, tu vois. Ah oui, c'est tant mieux, là. C'est ça. Bref, ils ont perdu la semaine dernière contre Granby, Ouais. parce que je dis Granby. Granby, C'est mais on me dit Granby. c'est pas ça. C'est Granby. La semaine dernière, on m'a dit que ça se prononçait pas comme ça. Moi, je le dis de même, je sais pas. Bah, Granby, Comment est-ce que vous le dites, le chat? Granby, mais c'est, ils vont se Ben foutre oui. de nous. Ben c'est Mais ça. ouais, mais du coup, Potterfish, c'est comment qu'on prononce ce cégep? Si t'es là. Oh! C'est Shadow Gift qui est avec nous, Granby. Mais Granby, ouais, c'est ça? Granby? Ok, Granby, c'est ça, comme j'ai dit, parce que je disais Granby, et ils m'ont dit que c'était Granby, tu sais, genre le Y qui Ah, ouais, prononcerait. ça. Bref, on a perdu contre eux. Bah, bien joué à eux. Ouais. Écoute. Mais après, on a aussi encore perdu contre Montmorency. Montmorency. Montmorency, qui. C'est les chutes de Montmorency ou c'est une autre ville en fait? Hey boy, Enfin, je c'est pense que c'est une autre, genre. c'est Est-ce une que autre c'est au nord place. de Québec ou est-ce que c'est genre une complètement autre place? Hey boy, je sais que c'est pas à Québec, ça, je suis sûr à Ouais. 100%. Faudrait qu'on fasse un quiz de un Kahoot ou un quiz, un truc comme Ouais. ça de géographie un jour, mais avec les supporters. Mais ouais, parce que sinon nous autres on serait pourris. C'est ça, mais eux on les laisse, tu sais, genre on les laisse faire Bah oui, c'est se sûr là. démêler quoi. Bref, c'est ça. Donc ça nous revient pour récapituler tout ça avec des scores qui font que les Nashors sont en 6-0, les Dragons sont en 4-2 et les Scuttles sont en 2-4. Donc à chaque fois le premier chiffre c'était pour la victoire, le deuxième chiffre c'était pour la défaite, voilà. Donc pour revenir sur le match de ce soir, nous jouons contre Victoriaville. Victoriaville. Ce soir? Qu'on a. Bah oui, c'est ce soir. Non? Non, Sainte-Foy. Je suis bête. On joue contre Sainte-Foy. Sainte-Foy qu'on a déjà affronté, il me semble, pendant la pré-saison avec une autre équipe. Je suis pas sûr. Faudrait que je fasse mes révisions. Qu'est-ce qui est drôle? Parfait. Tu dois t'adapter au dialecte de la région. Pas le choix, man. Pas le choix. Et on me dit que tu devrais te connecter sur le jeu si tu veux être capable de commenter la partie. C'est vrai, il est 59, il faudrait que je me connecte. C'est vraiment smart ça, Monsieur Sacfèvre. Mais on voit pas le temps. Écoute, là j'ai lancé. J'ai pas vu le temps passer. 15 minutes, c'était Non, rapide. ouais, c'est fou, là, C'est ça pour ça que je me passe fais vite. surprendre à chaque fois parce que je lance pas le jeu. Et ça passe trop Non, vite. oui. Il y avait des choses à dire sur toi aussi, c'est pour ça. Quand même, genre la nourriture, tout ça. C'est vrai que le jeu, ce serait pas pire. Hey, si tu pouvais m'inviter. Bref, j'espère qu'on a un petit peu le temps quand même d'en parler. Parce que certains d'entre vous connaissent l'équipe Nashor, vu qu'il y a des joueurs qui étaient déjà là les saisons d'avant. D'autres les connaissent pas. Mais en gros, l'équipe Nashor, c'est une équipe particulière, puisque je t'en ai parlé tout à l'heure. Oui. Ils ont des très bonnes drafts. Ils ont un drafting incroyable, vraiment. Est-ce que tu te souviens du drafting que je t'avais montré, juste pour donner un petit exemple? Si je me rappelle bien, Ewok était mid, si je me rappelle bien, non? Oui, mais en fait c'est leur position, tu sais, ils changent pas de position, du coup ils vont Ah, tous être c'est dans ces vrai, ouais. positions-là. Et d'ailleurs, Ewok, en parlant de lui, qui m'invite dans le lobby, c'est Merci, plutôt cool. Ewok. Merci à Vraiment, toi, merci, Ewok. man. Ewok qui est quand même gagnant de la LCSE.
maître de la mid lane Mm-hmm. et maître du sandwich, artiste du sandwich. Oh, wow. Voilà, donc c'est Excellent comment titre, la ça. référence. Le 11 est un artiste, c'est ça. Ouais, je vais aller en spectateur. Ça irait mieux, T'as hein? raison, ça irait mieux, c'est ça. On Mais va c'est pas jouer à ça. game. Ouais. L'équipe Nashor qui draft des compositions loufoques, on va dire. Mais loufoques, réfléchies, loufoques, surprenantes, loufoques, qui fonctionnent. Qui sortent de l'ordinaire, Qui sortent de quoi. l'ordinaire. Et il y a un mot que tu avais retenu pour la botlane. Pour la botlane. Des mages. Ah, ben oui, c'est ça. En fait, eux, ils utilisent, au lieu d'avoir un ADC, ils utilisent un APC. Et Ce qui ouais. est assez, ben. Oui, c'est une stratégie connue, mais quand même, c'est plutôt rare, en fait, que je vois ça, en fait, dans des games. Ouais, c'est plutôt rare, mais moi j'avais une petite théorie. Bah, est-ce que ce serait du flex ou pas? Mais parce que les APC, en vrai c'est rare, ça surprend, mais c'est peut-être pas forcément si fort, tu sais, de les jouer à toutes les games. Sauf que, il se trouve que Tartaroche est vraiment un monstre sur les Jinx, vraiment sur les vrais ADC, c'est un monstre. Et pour l'instant, il a pas encore joué de vrai ADC, il me semble. Oh Alors que boy. c'est un monstre, tu vois. Et ils ont gagné leurs 6 matchs. Donc pour moi, il nous réserve, il en fait exprès en fait. Pour moi, il nous réserve des surprises parce que c'est lui qui fait les drafts, il me semble. Oh, OK, ouais. Donc j'ai une théorie, c'est qu'il en fait exprès de pas jouer d'ADC pour nous donner l'eau à la bouche, tu sais. Ah oui, c'est On va sûr. dire, c'est sa Tartaroche, il est quasiment arrivé challenger en jouant ADC et là il a pas sorti un seul ADC Du lot? de la saison, il me semble hein, qu'il a toujours joué des. Mais attends, on peut checker ça. Il se trouve que j'ai sous ma main un truc extrêmement pratique qui s'appelle. Attends, je vais voir si c'est sur la bonne page quand même. C'était pas sur la bonne page. Ah si, ok, my bad. Mon ami Google. Hop. Et regarde-moi ça. Il a enfin joué un ADC. 11, 9, 20. Incroyable. Donc il a joué un ADC, j'avais pas regardé. 11, 9, 20, donc 11 kills. C'est celui avec le plus de kills de l'équipe. Enfin, il a autant de kills qu'Ewok, mais 20 assists. C'est-à-dire qu'il était. Attends. On va. Ok, il y a eu 43 kills. Il était sur 31 des 43 kills Étonnant. de son équipe. Tartaroche qui est un monstre de puissance. Donc, ça, c'est les stats qu'ils ont eu la semaine dernière. J'avais pas du tout regardé. J'ai juste ouvert ça pour en parler. Attends, je vais regarder. Mais ça, les stats. De la semaine dernière, et on peut voir qu'ils ont plutôt bien joué. Donc, ça c'était contre Victoriaville, ça. Victoriaville qui était la deuxième meilleure équipe, et Ewok qui nous. Et Tartaroche qui nous fait un score comme ça. Donc, on peut voir que finalement il a joué un ADC. Et Edge Runner, ce qu'on retrouve sur Alistar, qu'on a déjà vu la première semaine que j'ai casté sur Alistar, qui était notamment joué avec un APC avec la Séraphine. Oui, C'était Séraphine effectivement. Alistar, un combo douteux, mais un combo qui fonctionne. Voilà. Et je vais sûrement te laisser. Ok, je me suis pas encore spoil le deuxième stat. Ouais. Tu vas pouvoir les commenter. Ça se Ok. trouve, on sera impressionné. Ça se trouve, on le saura pas. C'est Est-ce bon, que ok. on a un banger en face de nous? Je dirais que, ben, pour le côté de Tartarus, oui, Oui? évidemment. Tartarus, oui, quand Sur un même, ADC? 18-4, oui, C'est c'est ça, ça. c'est ça. On 18-4? a des. C'est assez incroyable quand même. Puis aussi, on peut juste parler du dommage qu'il a fait. En fait, 34 000 de damage. C'est ça, au C'est niveau assez qu'on est là, incroyable. on jouait quand même contre des équipes qui n'ont pas beaucoup de défaites. C'est Donc vraiment ça, des oui. équipes, c'est que. Il y a. Voilà. C'est Ils ont ça. le double des kills. Genre. C'est très impressionnant, j'ai envie de dire. Oui, j'aimerais ça aussi mentionner qu'il y a aussi le double des golds en moyenne contre n'importe quel joueur de l'autre équipe, en fait. En fait, pour donner au total 16 000 golds, Donc c'est c'est pas assez une incroyable. domination, finalement c'est pas une Tartaroche 10, c'est une tout le monde 10 en fait. Exactement. C'est toute l'équipe qui a un cran au-dessus pour l'instant des équipes adversaires. C'est ça. Un cran au-dessus, mais bien sûr, on le rappelle, c'est le début de la saison, donc C'est les autres ça. équipes vont s'améliorer au fil du temps. Faut savoir qu'on a des équipes qui étaient déjà. Enfin, tous les joueurs de l'équipe, à part Speed Meditation et Spotify User, étaient joueurs e-sport avant au Cégep Limoilou. Ouais. Donc c'est qu'ils ont l'habitude de jouer en équipe tout ça. Peut-être qu'en face on a moins l'habitude. C'est sûr qu'en tout cas au fur et à mesure de la saison, toutes les équipes vont s'améliorer, dont la nôtre. Mais est-ce qu'après est-ce qu'elles vont s'améliorer aussi vite ou pas? Je ne sais pas. Et si tu veux en attendant, pendant que j'essaie de m'organiser avec les joueurs, de leur expliquer
comment ça va se passer, en tout cas, dans le lobby. Peut-être que tu pourrais commenter brièvement ce qui s'est passé pour l'équipe B et l'équipe C. En fait, c'est ça. Là, on peut voir en fait. L'équipe B, ok, nous c'était l'équipe qui est en haut, là c'était notre équipe. Merci beaucoup, Foutu. Voilà, il n'y a pas de souci. Pas de problème, excusez-moi, je connais pas encore les noms des joueurs des équipes des Limoilou. Désolé. Mais en fait, on peut voir en fait, même chose en fait. Bon, l'équipe B. En fait, une excellente victoire. J'ai poussé ça, hop. Merci beaucoup. Nos problèmes. Puis aussi, je peux remarquer que le KDA, même si ça n'a pas tant rapport dans League of Legends, il est quand même assez élevé pour chacun des joueurs. Est-ce que C'est t'as pas encore quelque mal le chose à tout. dire au niveau des goals, tout Non, ça? je dirais c'est pas mal tout. C'est pas mal tout. Et ensuite, on a une Ouais. deuxième game qui a été jouée par l'équipe B. Encore une fois, en haut. Ok. Oh, ben là, on peut voir qu'il y a eu un petit peu. Une défaite, puis oui, on peut le remarquer, mais malgré tout, on pourrait dire que la quantité de CS est assez bon. En effet, ils semblent avoir un CS moyen plus élevé que l'équipe adverse, ce qui Pour est de Limoilou, tu relativement veux bon. dire? Ouais. Donc ça veut dire qu'on a un petit peu de CSing, quoi. C'est ça. Hop, juste prendre le lien de la draft au cas où ça commence. Ça commence pas tout de suite. Donc Limoilou qui ont l'air de s'être entraînés un petit peu plus sur le CSing. Ouais. D'après ce qu'on voit après, c'est peut-être pas forcément vrai, quoi, mais Peut-être c'est juste c'est ce que ça nous la laisse penser, soirée, quoi. là. Parce que c'est vrai que, comparé aux années précédentes, cette année, on essaye de voir le coaching différemment. Ouais. L'année dernière, les coachs, c'est vrai que le coach, il se concentrait sur le jeu d'équipe, ce qui est bien. Mais c'est vrai qu'on a des équipes qui, même si elles ont un bon jeu d'équipe, on commence à perdre un petit peu au niveau des stats personnelles. Parce qu'il se trouve que c'est vrai que même si tu as un bon jeu d'équipe, si tous les joueurs de ton équipe sont un cran en dessous individuellement que le laner contre qui ils sont, c'est compliqué à C'est jouer. ça, Même si tu es mieux organisé, pareil. si Ben tout le monde oui. en face est beaucoup plus C'est faible. ça. Donc on commence un petit peu à prendre des joueurs un par un. C'est l'assistant coach qui fait ça, notamment Plante, qui est Ouais. aussi le deuxième caster qu'on n'a pas eu depuis longtemps, mais qui revient bientôt sur les conquérants. Mais Plante, en tout cas, qui met vraiment des efforts incroyables, puisqu'il prend tous les joueurs un par un, Ouais. et il leur dit, Ok, toi tu viens avec moi, on va s'entraîner à ça, là. Et je te regarde, tu t'entraînes devant moi à ça. Du coup, ça peut être passé quelques minutes à juste l'astite des CS en boucle contre des bots, tu vois. Et c'est ça, il leur donne des programmes d'entraînement, il leur fait des PowerPoints aussi. Par exemple, je sais qu'il y a dans l'équipe C, le Kun, qui est le midlaner de l'équipe C, qui a un OTP Swain. Mais bien qu'il soit OTP Swain, il avait quelques lacunes sur le champion, sur certains points qu'il négligeait. Mais Plante, tu lui as fait un PowerPoint, il a pris du temps pour lui expliquer comment jouer parfaitement son champion. Hop. Et la draft qui est commencée, je vais pouvoir mettre la petite musique que tout le monde attendait. Ah là là. Ça commence directement. Je suis très impatient de voir à quoi ça va ressembler cette draft, puisque Limoilou, draft vraiment bizarre. Ouais. J'espère qu'ils vont nous sortir. Parce que là, en vrai, il avait joué des ADC, mais il n'était pas casté. Donc c'est peut-être pour ça qu'il s'est permis. Ça cache le. T'sais, on voit les Ouais. scores, mais on se demande qu'est-ce qui s'est passé dans les Ouais. games, tu vois. Là, ça se trouve, il va pas encore nous le montrer. Ils vont faire exprès de jouer des APC, juste pour nous embêter et pour. Peut-être. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Bref, le ban de la Yuumi du côté de Limoilou. Yuumi qui est quand même un champion que très peu apprécié dans le jeu. Mais par contre, qui est assez efficace, Assez sans le efficace, quoi. dire, ben oui, mais c'est juste que ben, le monde considère que c'est pas un bon personnage parce que justement, ça prend, à ce qui paraît, aucun skill pour le jouer, Mais mais. c'est pas que ça prend aucun skill, c'est que même si c'est pas si cassé, c'est un joueur qui est toujours invincible en fait toute la game. C'est ça. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu énervant. Et on voit du côté de Sainte-Foy qu'on a banni la Jinx de Tartaroche. Et il a Oh, bien bye. fait. Parce que cette Jinx, qu'il a quand même mené très haut dans le classement en solo queue. Ouais. Cette Jinx qui est redoutable. Mais si Tartaroche a envie de jouer en APC ce soir, on sera peut-être confiant. Je sais Ouais. pas. Et on a banni le Darius. Darius qui est un pick forcément très agressif. Qui aurait Exactement, pu être oui. joué avec le top Muster Spotify User 31, il me semble que c'est ça. Qui, on l'a dit au début, aime bien casser la tête de ses ennemis. Ouais, c'est ça. Parfait, donc là on commence avec le sujet de Sainte-Foy qui a choisi Gnar comme premier pick. Gnar. Le fameux. Désolé. Non mais oui, non mais tu l'as bien Oh oui. prononcé.
Mais je l'ai juste prononcé comme ça parce que, étant joueur de la top lane, c'est un pick. Bah, c'est range quoi. Oh oui, oh oui, c'est ça. C'est justement n'importe quel pick range top. Ben, est moins aimé de la communauté que justement toutes les autres, c'est corps à corps. On c'est ça, donc soit on va jouer, soit on pourra le counter pick du côté de Spotify user, mm-hmm. soit on va juste jouer une game passive sans trop engage. Et regarde, je vois un truc très intéressant du côté de Limoilou. Effectivement, oui. Une Syndra et une Kai'Sa. C'est ça. Sauf qu'on sait que Tavosh, il joue mm-hmm. Kai'Sa. Et il joue Syndra ADC mm-hmm. et que Ewok peut jouer Kai'Sa mid. C'est ça. Donc, est-ce que la Kai'Sa va être ADC ou mid? Alors, il faudra regarder comment ça va se passer dans la game pour voir ça. C'est ça, mais là déjà ça pose un. C'est ça. Bah, parce que Sainte-Foy vont se dire que Syndra va mid et Kai'Sa va ADC. C'est ça. Mais Sainte-Foy, vu que là ils sont quand même assez haut dans le classement, je pense qu'ils ont scout notre équipe de Limoilou qui elle a scout aussi Sainte-Foy. Exact. Qui sont censés savoir que Limoilou joue du Syndra ADC. Parfait, j'aimerais ça aussi mentionner que le choix de Xerath et Seraphine, en fait, Xerath qui est reconnu pour être évidemment mid, mais aussi qui est parfois joué support. Fait que ça se pourrait qu'il soit support dans cette game. Et Seraphine, c'est pareil, mid, c'est support. C'est ça, c'est ça. Fait donc, que... C'est vrai que j'ai fait vraiment attention à Limoilou, mais Sainte-Foy, qui peut aussi nous, sortir un banger de draft, on sait pas. Pour l'instant, on en est perdu, je vois pas où ça va. Et les deux équipes qui sont en train de se mine un petit peu. Plante, est-ce qu'il a fait des prédictions? Non, c'est Puzzer Fisher, encore. Ouais. Parfait, donc selon lui, Kai'Sa, ADC. Oui, Seraphine APC aussi, c'est ça. C'est ça. Sainte-Foy qui font un giga flex aussi. C'est ça. Ben, tout est possible en fait. Vraiment, là. Par contre, du côté de Limoilou, on a banni une Senna, donc on pense peut-être que la Seraphine ne sera pas ADC. C'est ça, oui. Après, effectivement. Senna qui peut être joué ADC et support, donc. Oui, effectivement, oui. On enlève des choix. C'est ça. On préfère ban des picks qui peuvent aller sur plusieurs lanes. Mm-hmm. En tout cas, l'Aatrox, c'est quasiment sûr qu'il ira top dans les mains de Spotify user. C'est un pick qu'il connaît, c'est un pick qu'il a fait, qu'il apprécie. Mm-hmm. C'est vrai que quand tu me parles de lui, je pense à Fiora et à Aatrox directement. Ouais. Son Aatrox qu'on a pu spectate et qu'on a vu quand même des réflexes incroyables. C'était notamment le premier match que j'ai casté pour les conquérants. C'était l'Equipa. Donc c'était il y a 3 semaines, c'est ça. Il avait sorti un Aatrox top. Et c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure avec ses réflexes incroyables. Mm-hmm. Spotify user qui est sous 46 Red Bull avant ses matchs. Il est prêt à réagir. Et forcément, le Garen qui a été sorti, Garen de Speed Meditation, le jungler, OTP. Bon, ben, on va voir ce que ça va donner. C'est ça, justement. J'ai fait un peu le saut en voyant Garen et Aatrox dans les mêmes picks. Ouais, mais normalement, Garen va jungle parce que c'est le jungler. Ouais. C'est un OTP Maître Yi Garen. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai que vu que c'est peu commun Garen jungle, on sait peut-être pas comment réagir du côté des ennemis. C'est ça. Puis là, évidemment, avec Kayn du côté de Sainte-Foy. On peut pas mal se douter que Kane va être jungle, il est choisi pour être jungle. Non, attends, peut-être qu'ils ont un banger de draft. Non. Ouais, mais peut-être, mais bien quand même. Kane jungle, mais la question avec Kane, c'est qu'il peut se jouer de différentes manières. Oh non, c'est sûr. Et je sais qu'il y a plusieurs fichiers dans le chat qui, lui, est un très grand affectionneur de Kane. Kane sera-t-il red ou sera-t-il blue form? Oula, et la Sona. Attends. Oh là, il y a beaucoup d'AP. Qu'est-ce qu'on fait, là? Voyons, ouais. Il y a beaucoup d'AP cool, du côté de Sainte-Foy. Bah oui. Amoumu, ok. Amoumu support. Oui, le Amoumu support de Edge Runner, qui est vraiment bon. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de CC, oui, effectivement. Ouais, et j'ai joué lors d'une pratique. En fait, j'ai remplacé Tartarush un soir au cégep pour, parce qu'il c'est ça, il était malade. Ouais, ok. Du coup, j'ai dû le remplacer. Et il se trouve que j'ai eu l'occasion d'être ADC avec le Amumu de Edge Runner. Et la game m'a semblé tellement facile en fait. Il est vraiment très bon. Il fait les bons setups au bon moment. Il a les mécaniques. Genre, il connaît sa range. Pour moi, je suis vraiment confiant sur notre bot lane de ce soir. Donc, notre bot lane qui sera a priori soit Kai'Sa Amumu, soit Syndra Amumu. C'est ça. Mais on est pas mal certain de se dire qu'Amumu va être support. Ah oui, Amumu est support, Garen est jungle, Aatrox est top. En fait, j'aurais pas su le dire si je connaissais pas les joueurs. Ouais, c'est là, je sais que c'est leur pick favori, alors pourquoi est-ce qu'on leur mettrait pas dessus? C'est ça. En mid lane, je pense que... On en regarde juste, la partie va bientôt démarrer. Ben moi j'ai le son et je sais que c'est démarré quoi. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que... Le fait que... Là, c'est ça, soit c'est Syndra qui est mid, soit c'est Kai'Sa, et ça risque de dépendre... De qui est le mid adverse et c'est quoi la position favorite. Le mid adverse, écoute,
qui peut finalement être les trois pics, parce que Sonamid, c'est Bolzi, mais ça se fait. C'est ça. Séraphine Mid aussi, et Xerath Mid aussi. C'est ça, mais en fait, justement, Sacrifice va mentionner que à propos du triple AP, en fait, du côté de Sainte-Foy, ce qui est effectivement vraiment... on va dire un peu, c'est... comment je pourrais dire? Ça manquait de dégâts, non? C'est ça. Ça manquait de dégâts et surtout qu'on a... Fait qu'on pourrait savoir on a que... Garen. C'est Garen ça. Qui est très bon contre les dégâts AP. Mm-hmm. C'est ça, fait qu'on pourrait regarder, puis... je pense que je vais savoir un peu qu'est-ce qu'ils vont se build entre de l'armor puis de l'AP. Tout dépendant comment la partie va. Ouais, mais je pense qu'honnêtement, ça va partir sur full résistance magique du côté de Garen et d'Amumu. Mm-hmm. Amumu qui va forcément être joué tanky vu qu'il est support. Ouais. Donc c'est ça, pas de surprise à ce niveau-là. Gnar contre Aatrox en top lane. Mm-hmm. On parlera des match-up pendant le chargement. Okay. Ouais. Mais pour l'instant, c'est ça. Après, Aatrox, c'est un melee qui s'en sort extrêmement bien contre les ranges puisqu'il a un dash et il a la possibilité de... Tu sais, il a sa petite chaîne qui balance, sa chaîne qui est range et qui peut ramener... Tu sais, le saut de Gnar est pas assez long pour pas être ramené par la chaîne. Ah, ok. Bah, s'il saute en face de lui sans aucun CS. Donc, Aatrox qui s'en sort vraiment bien contre les ranges, notamment grâce à son cusp. Il a plein d'outils, en fait. Donc... On devrait avoir du combat en top lane, tu sais, ça devrait pas être une lane passive avec juste notre Aatrox qui se fait malmener. Et on voit finalement Ewoke qui va sortir la Syndra au mid, donc on aura une Kai'Sa ADC, un vrai ADC dans les mains de Tartarush. Ça va être incroyable ça. Et Edge Runner bien sûr, parce que tu sais, genre on parle pas que de l'ADC. Ce duo bot lane, on attend beaucoup, c'est eux pour l'instant les favoris, tu sais, qu'on pense qu'ils vont carry la game. Ok, ouais. Pour moi, c'est vraiment du côté de la bot lane. Mm-hmm. Que la partie va être sécurisée. Ouais. On a quand même des bons éléments, tu vois, dans l'équipe de Limoilou, de Nashor. Mais forcément, tout le monde ne peut pas briller. Et là, en vue des pics qu'on aura, Aatrox qui s'est fait nerf, il me semble. Tu sais, Aatrox, avant, il était dans un patch où il était vraiment très bon. Là, il s'est fait un petit peu nerf, et heureusement. Ouais. Donc, normalement, ça devrait pas venir du côté de Spotify User, les solo kills en chaîne. Ouais. Mais du côté de la bot lane. On a du bon setup. On a Amumu qui peut CC, Kai'Sa qui peut follow avec son ultime et avec notamment son W qui fait très mal. Mm-hmm. Et quand tu regardes la bot lane de Sainte-Foy, Séraphine Sona, c'est okay, énorme. Ça a du heal, c'est mais ça se fait one shot avant de se heal. C'est ça, c'est énormément AP aussi, il faut jamais l'oublier. Ah oui, c'est ça. Donc il y a Amumu qui ne risque pas d'être beaucoup en danger. Ouais, effectivement, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'on a eu du nouveau? Dans le... Pas encore, c'est vraiment très silencieux dans le chat en ce moment. Et c'est vrai, Sackfell qui marque un excellent point. Le Kayn doit être impérativement bien pour la game, parce que sinon ils vont manquer de dégâts. Kayn qui va être les seuls dégâts des, puisque Gnar, c'est plus burst, tu vois. Et ça n'a pas de dégâts multi-cibles, Gnar. Donc, Gnar, tu vois, se met en danger pour faire des dégâts quand ouais, même. Bah, oui, c'est sûr. En teamfight, oui. Il a de la range, mais pas tant non plus. Donc c'est vrai que c'est Kayn qui va devoir faire le boulot. Si on le met mal dans sa game, ça va être compliqué à jouer pour Sainte-Foy. Ouais, c'est ça. Du côté de Limoilou, la win condition, c'est la bot lane, je pense. Enfin, c'est plus au niveau des joueurs que des picks. Ouais. Donc c'est pareil, si on le met mal, peut-être qu'on n'aura pas de dégâts. En tout cas, je vais repasser sur notre petite caméra. Hop. Afin de pouvoir commenter un petit peu. Pendant le temps de chargement. Match-up, top lane, Gnar, Aatrox, on en a parlé un petit peu. Est-ce que tu serais capable d'approfondir avec tes connaissances du jeu? En fait, évidemment, on peut s'entendre que vu que Gnar, il est range, c'est sûr, il va venir essayer d'empêcher de poke, Aatrox, c'est ça, il va le poke justement pour qu'Aatrox ait plus de difficultés à faire ses CS. Il va punir ses prises de CS, c'est ça. Mais par contre, il faudra que Aatrox joue un petit peu plus agressif pour être capable de le repousser. C'est pour ça, justement être capable d'avoir la place pour faire si ses CS. Si tu laisses prendre des dégâts, Gnar il va être content, mais Aatrox a des outils pour répondre aux dégâts de Gnar. Exactement. Donc il va falloir que lorsque Gnar met des dégâts, qu'il essaye de répondre pour perdre autant d'HP que lui et faire attention à pas se reprendre le retour de canon, parce que c'est ça ce qu'ils aiment faire les ranges, c'est que tu les all-in, mais quand tu commences à t'en aller, là ils te pourchassent en te mettant dans les autres attaques. Ouais. C'est un peu... c'est comme ça que ça se joue. Mm-hmm. Bref, en jungle on a Kayn contre Garen, je pense pas qu'il y ait énormément d'interactions entre les deux. Je penserais pas, non, mais peut-être que...
Les deux, évidemment, ils vont essayer de se voler ils vont essayer de se voler du farm, Ouais, évidemment, mais je c'est ça verrais pas jungle. Kane invade Garen, par exemple, parce que Garen, Ça a beaucoup de burst quand ça même, peut hein. tempo, ça a du burst, C'est ça. ça a du silence, ça court vite aussi, et C'est c'est ça. tant qui. Ouais. Donc, est-ce que t'as vraiment envie d'aller l'affronter dans sa jungle? Il peut gagner assez de temps pour que l'équipe ennemie Ouais, c'est ça, effectivement, oui. décale. Et c'est même le cas du côté de Garen. Kane, c'est une savonnette qui passe à travers les murs, et Garen n'a rien pour passer à travers les murs, donc il va pas aller le chasser dans sa jungle, tu C'est vois. ça, oui, effectivement. Après, du côté de la mid lane, Xerath contre Syndra. Avis sur ce match-up? Je connais pas tant les deux personnages, Ah, honnêtement, ok. mais par contre, je sais que les deux ils sont capables de lancer des sorts puis de faire du De dommage très très loin. très loin, justement, Ouais. avec le Q de. Je pense justement au Q de Xerath et les attaques de Syndra en général sont capables de se rendre assez loin quand même. Ouais, donc finalement, on risque de se retrouver avec des deux lanes qui farment, qui font juste farm en fait. Ouais. Ça va être ça la partie. Donc deux lanes qui vont farm et qui vont peut-être essayer de décaler. Parce que Xerath, il a un ult avec beaucoup de range. Ouais. Donc il va pouvoir peut-être décaler, aider son équipe de loin. Mais qui est-ce qui va aider? Parce que je vois pas un fight bot qui se passe bien pour ces Sera, Vincent, qui ont a priori un manque de dégâts. Ils ont des dégâts, mais des gros. Tu sais, comparé à Kai'Sa qui fait des dégâts sur les Mais non, auto-attaques, c'est ça, vu eux, il que y a des c'est cooldowns. ça, là. Elle, c'est justement, Kai'Sa va avoir probablement le dessus au début de la game, que justement, elle va poker Seraphine et Sona. Bah, après, c'est quand même des Mais champions qui pokent bien, mais. oui, effectivement, mais pareil, on s'entend que c'est Seraphine, c'est plus côté sort qu'elle va faire du dommage Ouais. que Kai'Sa, on Ok, s'entend. ça. La partie va bientôt commencer. On parle juste. Bah, non, c'est ça, du bot lane. On s'attend à ce que Kai'Sa gagne sur ses all-in. Mais que par contre, Sona, Seraphine vont essayer de les poke et de regagner des PV. Et tu sais, de gratter les points de vie jusqu'à ce que quelqu'un meure, tu vois. Ouais, exactement. En tout cas, on va pouvoir directement lancer une nouvelle vidéo. Vidéo du socio qui fait la promotion de Cégep en spectacle. Oh, ok, Voilà, ouais. donc ça n'a rien à voir avec l'e-sport, mais vu qu'on parle de Limoilou, voilà, Pourquoi socio, pas? on a le Cégep en spectacle qui arrive bientôt, donc si vous voulez vous faire recruter, c'est par là, je lance la vidéo, on se retrouve tout de suite. Ok, on se retrouve dans la partie qui va charger très bientôt. Je sais pas pourquoi il y a un petit bug d'affichage. Oui, c'est bon. Et on peut voir directement les conquérants qui tentent une invade. Est-ce que t'as le son dans ton casque? Oui, j'allais. C'est parfait. Donc les conquérants qui tentent un 5 main invade sur Sainte-Foy. Et Sainte-Foy qui ne les a pas repérés. Ça peut être assez important pour la suite de la partie. Hop, je vais essayer de dézoomer un petit peu, mais pas trop non plus. Voilà. Et on peut voir, c'est finalement Speed Meditation qui va se mettre très bien en C'est ça. volant le buff rouge adverse. Mais on peut voir aussi que Kane est justement au Ah, c'est côté vrai. rouge en train de d'aller voler leur raid en fait. Fait que ça revient au même au final. Ouais, donc là on risque d'avoir un vertical jungling, c'est ça? C'est ça. Donc Garen qui va prendre toute la jungle du Kane et Kane qui va prendre toute la jungle du Garen. Par contre, le Kane va être spoté par C'est le ça. Aatrox. Bah, Aatrox qui est spoté aussi par les Ouais, c'est ennemis. ça que je pense moi là. C'est C'est justement. ça. Donc là on sait. On sait, donc Garen va prendre toute la jungle du Kayn finalement. Oh. Très bon call de leur part. D'avoir fait ça. Donc c'est ça, donc là ce qui risque de se passer c'est que Garen va faire toute la jungle bot. C'est ça. Donc on aura la priorité pour la bot lane de Limoilou. Par contre du côté du Aatrox il va falloir jouer safe. Parce que le Kayn risque de lui faire coucou sinon. Ouais, c'est ça. Vu qu'il est de son côté.
Et non, Kane. Oh, regarde ça. On va avoir déjà un avantage qui va se dessiner pour la jungle. Parce que Kane a fait le raid de Garen et s'est en allé. Mais Garen, lui, il va prendre toute la jungle. C'est ça, oui. Il va tout voler. Il va tout voler. Ok. Effectivement, Kane, ça se poke. Oh, voilà. Ok, waouh. Il va faire un bon trade. Bon poke. Sur le Gnar. Et la prise de niveau 2 du côté des Moilous, est-ce que ça va se concrétiser sur un kill? Non. Non. Respect. On a des joueurs qui jouent en face, tu vois. C'est ça, oui, c'est ça. Les petites erreurs comme ça, ils ne se font pas avoir. Non, non. Ils savent qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et là, on regarde parce que le Garen a été spoté. Ouais. Donc, c'est-à-dire que le Kane sait. Mais est-ce que ce serait pas trop tard pour lui là? Qu'est-ce que Kane peut faire? Il a plus de junkbot et il a pas le temps de se rendre dans la junk top du Garen. Là c'est sûr, ça va être dur. Je pense qu'il va essayer quand même de s'attaquer au jungle top. Ouais, moi je pense qu'il va juste essayer de s'attaquer à Iwo qui est... Ah, en vrai, là il est un peu. Il est un peu mal dans sa game le Kane. Ouais, c'est ça, exactement. Là il va faire quoi? Regarde, il va courir pendant 15 minutes. C'est ça, exactement. Ouais, ah là je pense que la partie du Kane, c'est très bien ce qu'il a fait. C'est ça. Parce qu'on avait dit le Kane, c'est la. S'il est mal dans la game, 5 fois perdu parce que c'est les seuls dégâts AD. Ouais. Et là regarde. Est-ce qu'il a l'air d'être bien dans sa game, le Kane? Non, pas vraiment, non. Non. Il va tenter un move quand même en hotlane qu'on peut voir. Est-ce que ça va se concrétiser après en kill? Non, ah, ça me fait de la peine pour lui. J'ai trop mal. Ouais. Bientôt, masterclass de Limoilou. Le Kane, là, regarde. Il sait pas quoi faire. Mais non, évidemment. On voit, il recall pas. C'est fini pour lui. La partie est finie pour le Kane, malheureusement. Et Spotify User qui met directement un très bon excellent trade. Ça pourrait pas se concrétiser. Ah, ok. Ça disengage, mais il est encore en flash. Flash auto? Non, on va pas se calmer. Non, on se calme quand même. On se calme. Oh, et regarde, mais qu'est-ce que. Ouh! Oh, ouais, il est vraiment. Le dive qui va peut-être partir sur le Xerath, mais il n'y a pas la wave de creep. Oh, ok, le flash est venu directement sur le follow par la caisse, c'est très bien réalisé. Let's go! Incroyable. Incroyable, vraiment. Excellent dive. Et on ne s'y attendait. Mais surtout, la botlane entière a décalé et Speed Meditation qui récupère bot. Quel est ce jeu d'équipe? Même au World, ils ne font pas ça. Bah non, c'est fou là. C'est fou, on a du très haut niveau quand même du côté de Limoilou, on y a pensé à ça. En tout cas, on peut bien voir que Plante est présent dans la pièce avec les joueurs, en train de leur donner des conseils, etc. Tu penses, non, ils ont pas le droit pendant les matchs, mais... Voilà. Par contre, le Gnar qui attache sur auto, donc là, ça peut être dangereux pour lui. Non, ça va. Donc, pour l'instant, on peut voir au niveau DCS, par exemple, que le Garen domine complètement le Kane. En termes de CS de niveau, je pense, parce que le Garen est bientôt niveau 5, alors que Kane vient à peine de passer niveau 3. Et peut-être qu'avec le bounce back de Aatrox, on pourra aller rechercher le Kane dans sa jungle. C'est ça, un peu après. Là, le Aatrox est safe, parce que le Kane n'est pas de son côté. Oui. C'est bien joué du côté de Limoilou au niveau des pilots. Ouais. Là, on peut voir. Ouais, là on peut voir en fait que le dragon de le Ocean Drake qui est en train de se faire détruire par Limoilou. Voilà. Mais Kane qui ne peut pas répondre parce qu'il est trop en retard dans sa game. Non, c'est ça, il peut pas y aller. On profite, c'est ça, parce que il y a trois concepts importants dans League of Legends. T'as quand même les gold que tu possèdes, ok. C'est ça. L'expérience que t'as, ça tient un avantage. Et le tempo. Tempo qui est très utile pour les jungles parce qu'on peut voir le Kane essaye de se rattraper. Et pendant qu'il essaye de se rattraper, le Garen, lui, il... Il a le temps en masse de tout faire ce qu'il veut, c'est ça. C'est ça, il prend ce temps-là pour faire des dragons, accélérer la partie, et essayer de créer justement une différence au niveau de l'expérience et des golds. Effectivement. Donc c'est une masterclass, attention, on voit que Fleur de Lys, le Xerath, ne va pas être laissé tranquille. Par contre, c'est cover par le Kane qui va peut-être essayer de faire quelque chose, mais il voit qu'il va se niveau 6, qui a ult, et le Kane qui se retrouve en 1v2 et qui va mourir. Excellent, let's go. Bien joué. Bon, j'essaie de prendre un petit peu le lead, mais si tu as envie de commenter des teamfights, tu te laisses. Bah oui, y'a pas de problème, bah oui. C'est ça, c'est juste parce que je sais pas encore toi. On va te laisser pour le teamfight, je te le laisse. C'est juste que là, c'est trop masterclass pour... Je crois que tu vas être mieux pour en fait parler les teamfights, effectivement. Ouais. Je suis pas capable d'amuser avec toi rapidement. Ça, c'est des choses avec l'expérience que t'as fait. Effectivement, c'est ça, c'est ma première fois en tant que caster. Mais là, c'est juste que le dive était trop masterclass. C'est ça. Bon. Parce que ça peut être dangereux pour la troc. Ouais, effectivement. Mais non, en fait, il va juste reculer. Fait, il va juste reculer, voilà. Ah, oh. Bien essayé de la part du Gnar, par contre, maintenant il est en. Oh, ça va être un... Il est dans la panade parce qu'il n'a plus d'ult. C'est cover par le Kane. C'est ça. Kane qui cover, mais. Ah, attention, bien joué de la part du Amumu. Fight. Ah, je te laissais, mais de toute façon, il ne se passe rien.
Mais ce qu'on peut voir, que j'allais dire avant que ce petit bout de fight commence, c'est que Kane cover ses alliés. C'est ça. Mais finalement, sa cover au mid, il est mort. Ouais. Et sa cover top n'a servi à rien. Il a juste perdu encore plus de temps. Et regarde, il essaye de prendre directement le raid, mais c'est spoté par l'équipe de Limoilou qui va sûrement devoir le faire flash out. À 30, il poursuit le Kane. Et Kane qui est mort. Kane, je pense qu'il passe une excellente game. Et Tartarush qui se trouve en mid lane à ce moment-là. Excellent. Ok, et c'est pas fini parce que du côté de la botlane, Edgerunner qui continue d'aller sur la Kessa, sur la Sona. Ça va être un petit fight, est-ce qu'il va être un kill? Et un kill par Garen. Ça me fait pleurer. Genre, j'ai très... Voilà, le début de game est très compliqué pour Sainte-Foy. Vraiment, en ce moment, le early game a été éliminé par Sainte-Foy. Bah, par Limoilou. Oui, effectivement, désolé. Et en plus, Aatrox qui tue Gnar. Je le voyais pas venir, c'est pour ça qu'on a pas hype le move. Désolé, désolé Spotify user de pas avoir hype ton move. C'était un très bel 1v1, sache-le. Mais c'est juste que vu ce que ton équipe propose, malheureusement, ça va être dur pour toi d'être sous les spotlights. Rien que cette early game exceptionnelle, la Kexa, qui n'a finalement été bot que la moitié de la game, l'a retrouvé mid. Comment on ne pouvait pas savoir de la part de Sainte-Foy? Mais non, c'est sûr. Désolé pour ton cégep. Mais quand tu vois ça. Moi, je lâche une petite larme pour eux quand même. Oui, effectivement, quand même. Là. En vrai, j'espère qu'ils vont réussir à revenir un petit peu dans la game. J'espère aussi quand même. Et tu sais, à nous proposer à se battre, quoi. Mais j'ai envie que Limoilou gagne après, forcément. Mais le Kane qui est level 5 avec 36 CS à 62. On a quasiment le double du farm du côté de Spin Meditation. Spin Meditation qui est un OTP Garen. Oui. Et à ce que je vois, qu'il a aussi travaillé les invades de tout ça. On a des plans de jeu, on a vraiment bossé sur du concret. C'est ça, exactement. Ok, le Olive d'Aatrox sur Gnar, ça fight. Est-ce qu'on pourra faire quelque chose? Qu'est-ce que ça? Un petit trade ici. Ok, petit trade qui pourra sûrement devenir un kill sur Aatrox pour continuer. Oui, effectivement. C'est un dash shot du Gnar. Attention, parce que moi je sens. Voilà, je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Est-ce que ça va être un kill? Sauf que c'est un kill, le Gnar qui a complètement loupé la plante. Et ça y est. Petit kill de Speed Meditation, son deuxième dans la partie. Il y avait des bots et Edgerunner qui va tenter peut-être le dive sur la bot lane. C'est ballsy quand même. Par contre, c'est bon, c'est parti. C'est parti. C'est un one shot qui est lancé. Ouais, il a loupé la bandelette, mais ça devrait être récupéré par Tartarush. Et ça va se terminer par un double kill. Parfait. Incroyable. Incroyable. Les petits paddywo comme Illyane qui essayent d'esquiver le Xerath. Et c'est, comme je l'avais prédit, une botlane de Limoilou qui est lancée. Spotify user qui montre Kane qu'il n'aura pas de partie finalement. Ah là là. Bon, est-ce que tu peux nous faire une analyse de... Non, ok, ça aurait pu être dangereux pour le Kane. Oui, effectivement, oui. Ouais. Analyse sur peut-être le gold diff du match. Toi qui es un très bon mathématicien. en effet, je peux... Juste en fait, vite comme ça, je peux réaliser que... La différence en fait pour Garen en fait, il y a clairement plus de CS et plus de kills, évidemment 2 kills au-dessus de Kane. Mais ce qui est important, c'est que les CS égale au gold avec les kills. C'est des petites nombres. C'est ça, exactement. Donc on peut voir l'avantage énorme que Garen a maintenant sur le Kane. Donc ça va être assez difficile pour Kane de reprendre le dessus. Ok, bon, plus personne dans le chat en tout cas. Après, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'écrire dans le chat? Non. Quand tu regardes ce spectacle en fait. Bah oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Et le deuxième dragon qui est récupéré sans effort. Maintenant qu'on a passé toute cette early game comme ça, c'est facile de prendre ce dragon. Ouais. Le Kane, il pense plus à farm en ce moment et essayer de revenir dans la game que de prendre un dragon. Meditation qui va commencer à être tanky, qui n'a pas fait d'item tank. Faut faire attention quand même si on a un avantage, faudrait respecter les dégâts AP en face. Parce que finalement, ok, notre botlane est bien, mais la botlane ennemie, ils tiennent en farm, ils sont pas tant morts que ça. C'est ça. C'est encore jouable pour eux. Oui. Attention, bah c'est justement ça, regarde, peut-être que ça pourrait partir de là, mais non, Kane qui encore une fois perd son temps. C'est très dur. Tartarush il vient de flash le mur là, j'ai vu hein. Il a fait une Domingo. Tartarush, on t'a repéré avec la Domingo. Attention à Aatrox, c'est un 1v1 contre Gnar. Enfin, 1v1 qui n'est pas si 1v1 que ça parce que Spin Meditation est dans le coin. Attention, le silence va peut-être passer. Gnar ne veut plus dash out, on le rappelle. Mais il va passer avec son ult. C'est très dangereux du côté de Spin Meditation qui va tomber sous les coups de la tour. Et ça ne sera même pas récupéré par un Spotify user. C'est dommage. C'est ça.
Mais c'était un très bon play de, du côté de Gnar, évidemment. Oui. Qui était capable de tout de suite de réagir immédiatement. Être capable de faire de counter Garen pour justement aller avoir un kill. Ouais, il a counter le dive. Attention parce que là c'est Spotify User qui se retrouve en 1v3, c'est très dangereux, il n'a plus d'ultimate pour s'échapper, plus de flash. Il pourra néanmoins essayer d'attraper un kill sur le Gnar. Et ce sera dommage, mais on va directement en botlane. Le 3v2 qui est lancé, on perd un joueur du côté d'Imalou, mais c'est. Et ça va être. Un 2v2 finalement. Ouais, effectivement. Pour deux. Ah, c'est peut-être de là que ça part pour Sainte-Foy. Ça se pourrait, oui. Parce qu'on gagne des shutdowns. Il me semble que Amimu avait un shutdown. Et Garen aussi. Finalement. Ils ont une chance. C'est ça. Même aussi. Si on a un avantage avec la première tour qui va être récupérée par Tartaros d'ici peu. Oui. On a un Herald par contre, attention parce que. Kane a. Ok, Kane a son. C'est ça, Garen qui se place peut-être pour essayer de faire quelque chose pour le contrer. Garen, peut-être le duel de Smite, on lui a essayé. Oh, il avec... a un level 2 plus. Et c'est récupéré pour l'Imoilou. Bien joué. Et Yamimu qui arrive avec Aatrox. Donc attention parce que le team fight. Le team fight. Il y a un team fight quoi. Ouais, c'est un team fight ça, effectivement. Oh, le team fight, il n'y a plus de team fight. Non, c'est ça. Les petits pas de Garen, peut-être. C'est bon. Xerath. Tout va bien. Ça accélère du côté de Limoilou. On va pas laisser le temps aux joueurs de Sainte-Foy de recall parce que c'est Limoilou qui va directement dive. Mais attention, il est tout seul. Et c'est Iwo qui va tomber. Mais c'est pour avoir pris le Kane en face. Donc Kane qui peut définitivement pas jouer sa game. C'est ça. 67 CS à 100. C'est ça. C'est depuis le début de la game, il y a pratiquement 30 CS en moyenne, 30 CS en bas de Garen. Aussi, j'aimerais ça mentionner le bounty que Kaisa a sur elle en ce moment. Ah, c'est en gold. C'est justement, ça pourrait être, si elle se fait tuer, ça, en espérant que ça arrive pas évidemment, mais si elle se fait tuer, ça donnerait évidemment 600 gold, puis justement avec le 300 gold pour le kill. Ouais, c'est ça, là en ce moment, du côté de Sainte-Foy, on a envie de prendre ses shots. C'est ça, là. C'est ça justement, là. C'est, ça commence à être de plus en plus dangereux pour elle. C'est de plus en plus dangereux, en plus, on est sur un timing faible du côté de Limoilou. C'est ça. Parce qu'on peut voir que même s'ils ont plus de kills, ah ben, on en parlait du shutdown justement, t'intéresses de faire un prank, mais et voilà. Qui est élu du côté de. Et voilà, 900 gold comme ça. Il s'attendait pas après à ce qu'il ait la Sona. Il voulait. Oui, effectivement. C'est vraiment le style de jeu de Tartaros de faire des moves qu'on ne s'attend pas du côté des ennemis. Pourquoi est-ce que l'ADC. Qu'est-ce que l'ADC irait faire bah. C'est ça, justement. Là, okay. On parle de ça. Bien joué. Par contre, il y a Drudion qui va tomber sûrement sous les coups de Kane. À moins qu'il ait un flash, il ne pourra pas s'échapper malheureusement. Mm-hmm. Mais c'est ça que je disais, c'est que Tartaros, c'est vraiment son style de jeu de faire des moves bizarres. Et là, c'était vraiment très bizarre parce que l'ADC qui se trouve sur le blue buff ennemi en embuscade. On s'y attend pas. Ouais. Mais là, peut-être que Sainte-Foy connaissent Tartaros et se sont dit ok, il y a peut-être un truc qui va se passer. Ouais, peut-être. On a vu que c'était wardé, il y avait Sona à côté du Kane. Qu'est-ce que Sona aussi faisait à côté du Kane dans la jungle? À part pour checker justement s'il n'y avait pas quelqu'un. C'est ça. C'est bien joué de la part de Sainte-Foy. Tartaros qui ne refera probablement plus de moves comme ça. On l'espère. Mais, après, il pourrait en faire, mais. Non, évidemment, mais faire moins la vision quand même. C'est ça, exactement. On pas se donner. Parce qu'en fait, il jouait pas mal plus à l'aveugle d'après ce que je pouvais voir. Ouais. Il tentait quelque chose. C'est ça. Sur Spotify User qui a peut-être se faire rouler par le Gnar, c'est très bien joué de sa part, malheureusement, il est skill. Ouais, ça va être le. Bien joué, belle all-in. Par contre, il y a un MU qui va peut-être récupérer, mais un MU n'a pas de dégâts. Oui, effectivement. C'est un tank. Ah, mais il essaye quand même. Oui. Il essaye quand même et il va peut-être pouvoir tomber le Gnar. On verra pas, mais Ewok par contre qui lui tombe complètement en 1v4, en 1v3. C'est la chasse qui s'annonce dans la jungle. Si on peut mettre une petite musique. Une petite musique. Le Gnar 1v1 attention. Sur la Mumu. Et c'est un très bel outplay de exactement. Sa part. Exactement. Oh, est-ce que. Qui. Ah, on me dit dans l'oreillette que Kane. Est encore tombé. C'est ça, effectivement. On me dit que Kane prend énormément de retard. Pour la quatrième fois. Heureusement de la part de Sainte-Foy que l'on fait des erreurs. C'est des erreurs, moi, t'es connu du côté de Limoilou. Pour le coup, c'est pas Sainte-Foy qui est. À part si peut-être sur Tartaros. Mais à part sur Tartaros, c'est pas Sainte-Foy qui est allé chercher des kills. Enfin, des. Comment dire. À s'y mettre bien. Mais c'est Limoilou qui a commis des erreurs qui ont été récupérées par Sainte-Foy. C'est ça. Mais c'est pas Sainte-Foy qui a produit ces erreurs, c'est vraiment des erreurs de Limoilou. Donc, on peut peut-être revenir pendant qu'on voit directement. Bon move. Excellent move. Tout ce qu'on attend de toi. Très bel combo. Très beau combo. Il a fait pam pam, Q-spell. C'est ça. Dash. Dommage qu'on commente pas assez tes combos parce que.
Vraiment, c'est incroyable. En fait, c'est tellement obvious que tu le tues. C'est ça. Mais que, attends, Edgerunner qui le support et qui a volé le groupe du Kane et qui va chasser le Kane dans sa jungle. Et qui va complètement le... Et le... ça va être... Oh non. Oh oui. Oh non. Presque si c'était planifié. Ils étaient 4 pour stopper le Kane. Il y avait Aatrox et les 3 là. Ouais, vraiment. Le Kane qui ne peut pas jouer sa game. Oh, est-ce que ça va être un autre kill? Et ça va être un autre kill, si on a. Il a là. Kane qui va finalement être la win condition de Limoilou. Kane est l'imposteur de son équipe, tant bien que mal. Bon, écoute, cette partie, je pense qu'on peut placer nos bêtes maintenant. C'est ça, oui, effectivement, on peut le voir que côté objectif, Limoilou a clairement le déçu. Ils ont l'avantage. Par contre, il y a peut-être un team bad qui a ce produit Romine, donc ça va, on va esquiver quand même. Mmh, ouais, c'est ça que je pense. Et c'est ça, bien qu'il y ait 11 kills à 17, il y a quand même 10 000 gold d'écart. C'est ça. Pour Limoilou. Et le 4 qui va être probablement réalisé dans la jungle, mais on a envie de faire quelque chose, mais attention parce que c'est très bien engagé du côté du Gnar. Il y a Aatrox en flanc, il y a Garen en flanc qui va pouvoir peut-être ramasser les kills. La Citadel de Limoilou qui est dans... Va pas faire un kill. Et non, qui va se faire. Et les très... Et les petits pas de Tartarush. Wow. Les petits pas. Ah, il avait un Ghost. Il a avait Ghost. Waouh, un ADC avec Ghost. C'est un hein. Et j'ai vu qu'en ce moment les joueurs pros font ça aussi. Ah ouais. Avec Aphelios notamment. Aphelios, c'est le champion. Oui, oui, c'est ça, avec les 4 armes différentes. 40 armes différentes. Ça se joue Ghost. Et Kai'Sa, c'est vrai qu'on la voit moins, mais c'est vrai que les ADC en ce moment ne jouent plus forcément heal. T'sais, c'est plus le premier spell qu'ils prennent forcément. Ouais, on a du répondant quand même du côté de Sainte-Foy, mais c'est vrai qu'il va falloir plus que des répondants, je dirais qu'il faudrait un miracle. Et ça va être, ouais. Ça va être du hit, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est pas un miracle. En plus, ça. Un shutdown, justement, là, c'est. C'était pas le plus beau des moves, on va se dire. Ouais, c'est vrai que quand les games ont l'air gagnés, Speed Meditation se déconcentre un petit peu. C'est pas la première fois qu'il fait exprès, genre de hit, quand la partie est gagnée. Exactement. Où est le respect en fait? Eh hey, bonjour à toi Nicolas. Nicolas qui était caster l'année précédente pour Limoilou. C'est Sky One, c'est ça le vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas de respect parce que non, effectivement. Ça hit du côté Limoilou. Et en plus c'est ça, ils sont en train de jouer ça trahir de part. Pratiquement s'ils faisaient pas une game officielle. C'est de la solo queue pour eux, ils sont en train de s'amuser. C'est ça. Essayez de vous concentrer. T'en veux un? Non merci. Ah c'est vrai, pas pendant qu'on caste. My bad. C'est ça le. Enfin, c'est pas un problème pour l'équipe A parce que. Ils peuvent l'arrêter n'importe quand. Mm-hmm. Mais c'est vrai que quand le match. Ça pourrait être une défaite. Enfin, une condition de défaite. Mm-hmm. Parce que ils sont vraiment forts. Mais quand le match est. Tu sais, gagné d'avance vraiment très obvious, quoi. Bah, ouais. Comme ça. Ils int. Tu sais, ils se mettent à faire des moves bizarres. C'est nul. Genre à disrespect les ennemis. Et ils pourraient lose à cause de ça. Ouais, non, c'est ça justement. C'est non seulement. Évidemment, c'est. On pourrait dire un peu anti-jeu quand même, mais aussi c'est justement, comme tu dis, ils prennent la confiance, en prenant la confiance, ils pensent à être capables de gagner dans un fight, puis après, ben, tu réalises qu'ils sont en ace, puis l'autre équipe sont capables d'aller chercher 3-4 tours facilement. Regarde, là, par exemple, Meditation, qu'est-ce que c'était que ça? C'est ça. Non, parce que tu n'étais pas là la dernière fois. Attention, peut-être un cadre sur le Gnar, Gnar qui est repéré, Gnar qui va être cessé, et Gnar qui va tomber sous les dégâts insane de Tartarush. Il y a Mumu qui va directement flash in la Sona, Sona qui est un champion squishy sans défense qui va sûrement se faire one shot aussi par Tartarush et s'essuie directement par l'all-in, enfin l'ultimate de la Séraphine qui va laisser Ewok un HP. Ewok va falloir sortir les petits pas. Ewok gauche Ewok. Droite, mais il ne te voit pas. Oh. Et il te verra, dommage. Je voulais justement parler de son quand il est devenu en or, je me rappelle plus du son stopwatch. Oui, ouais, en fait stopwatch. Là c'est son stopwatch justement. Et c'est très bien utilisé dans ce moment-là, mais malheureusement, c'est avec la ult de Xerath qui s'est fait tuer. Ouais, et le Kane, bon, on a l'habitude maintenant. Au bout de la septième fois. C'est ça, effectivement. On peut le voir clairement que pour Kane, c'est pas sa game en ce moment. Ça arrive à tout le monde. C'est ça, ça arrive à tout le monde. Et c'est sûrement démoralisant de son côté parce qu'il a une deuxième partie à jouer avec après ça. Ah, mais pas contre lui, mais contre un autre cégep. Mais ouais, c'est ça. Il va falloir qu'il mental reset, je pense. C'est ça. Mais ça, j'ai pas eu le temps de finir de le dire. Mais Limoilou, la dernière fois que je les ai castés, les Nashor, donc t'étais pas au courant,
Mais il se trouvait qu'entre le top et le jungle, c'était assez suspicieux ce qui se passait dans la game. Le jungle volait les creeps, il volait les minions de la top lane. Ouais. Et du coup, notre top laner Spotify user, qu'est-ce qu'il a fait? Et ben, il a volé, il a rasé toute la jungle de notre jungler. Tu sais, mais en solo queue, tu sais, ils se reportent entre eux. Ouais. Là, c'était pour rire qu'ils faisaient ça. Ah, okay. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Ils ne prennent pas les parties au sérieux. C'est quand ils commencent à gagner, ils arrêtent de les prendre au sérieux. Et c'est même si, ok, ils les gagnent quand même. Ça pourrait jouer, ça pourrait être dangereux. C'est surtout exemple s'ils se rendent en finale, puis finalement l'équipe joue contre. C'est puis que l'équipe qui joue contre, ben justement, ils sont presque du même niveau qu'eux, même ouais. Probablement plus fort que, peut-être plus même plus fort que eux. Ben ça pourrait venir justement les jouer, puis que pour eux c'est la routine. T'sais. Là on voit le pochinage, ils sont deux, mais ça va être très bien joué de la part de Tartaroche et Edgerunner qui retiennent 4 joueurs à eux deux uniquement. Tartaroche qui est déjà sur ses 3 items Power Spike, donc là c'est un ADC dans sa partie. Ouais, effectivement. Ok, on a un très bon jeu du pochinageur qui se push toutes les lanes. Et la Sona qui vient se retrouver séparée de son équipe. Bon. Et que fait-elle? Qu'est-ce qu'elle fait elle? Ah, c'est la course, mais elle court du mauvaise direction parce qu'il y a Tartaroche et ça va être. Sona, elle vient de faire perdre son équipe parce que là c'est bon, il y a le Nashor du côté de Limoilou, ça va être le push final là. Speed Meditation en total disrespect. Tellement, Esprit, il y a deux joueurs qui sont à côté de lui, il fait juste détruire la tour comme si c'était rien. Et il n'a même pas acheté des REM, à part un petit item, mais c'est ça. Et c'est le flash-in du côté de Tartaroche qui a vraiment envie de. Bon. De finir l'équipe ennemie, mais attention parce qu'il y a peut-être ce. Non, c'est bon. Ça va être peut-être un autre kill, ça va être un autre kill. Les dégâts sont très bons. Ils sont très bons. Mais Spotify User qui n'a pas dit son dernier mot parce que. Clairement. C'est le Kane en face de lui. Allez, les jeux de jambes. Ok, bon, c'est bon. Écoute, ça m'a tout l'air d'être une fin de partie. Ah non, peut-être pas, ils vont bientôt respawn les ennemis. Ouais, ça peut-être, mais. Limoilou qui commence à être low en barre de vie. C'est ça, il commence justement, puis aussi, ben là on s'entend, c'est 3 joueurs, puis il va avoir les. Ouais, 3v5, va bientôt, hein. Ça va être bientôt 3v4. Les DS sont très bons! Oh du côté Thibaut. Wow! C'est fait Ignite, mais qui va s'en sortir avec le. Ah non, il... Ah oh, ça va être peut-être un contact, non. Syndra a été. Notre a pas été assez rapide. Mais il a pas été, c'est surtout qu'il a voulu prendre le portail. C'est ça. Et vu qu'il s'était fait embraser, Ignite en anglais, il n'a pas réussi à le prendre. Ouais. Bah écoute, moi je m'attends à avoir un dernier teamfight. C'est ça justement, là, c'est la tour et le Nexus est maintenant libre. Fait que justement, ouais. Il ne serait-ce qu'un seul des joueurs de Limoilou qui s'en prennent. Dans la cachette. Là, il s'entraîne. Il s'entraîne là. C'est ça. Attention, Tartaroche qui va utiliser son gosse pour essayer d'attraper directement le Gnar qui n'a pas été au courant. 1v1, regarde ça. C'est juste incroyable. Et attention, Gessa qui se retrouve en 1v4, mais encore son ult. Elle a son gosse d'activé. Elle va directement aller en 1v3 pour choper le double kill. Mais c'est pas fini parce qu'il a tellement de dégâts. Il va essayer de prendre le Xerath. Peut-être triple kill du côté de Tartaroche. Il y a encore 2 joueurs et il peut choper le Benta. Peut-être. Et il a son gosse toujours d'activé, donc rattraper les joueurs c'est pas un problème. Quadra kill. Est-ce que c'est un penta? Oui, ça va être un penta, ça va être un penta. C'est sûr. Il a son gosse d'activé, il va tellement vite. C'est ça. Il a son flash, il va mettre des dégâts, ni dégâts, que personne lui vole. Penta kill. Du côté de Tartaroche. Et ainsi, la partie est terminée. La partie est terminée sur son penta kill de Tartaroche. Incroyable. Ouh là là. Bon, j'espère qu'on va pas m'engueuler pour avoir crié dans ma chambre parce que je suis en colocation quand même, je le rappelle, mais bon, j'étais obligé. C'est ça, c'est juste clairement le. Il avait, c'est à ça que lui servait son ghost, c'était uniquement pour choper le. C'est sûr. Le penta. Je pense que tout le monde l'aurait fait de la même chose quand même. Ouais, tu cours après les ennemis quand c'est comme ça. C'est ça. Incroyable, masterclass du côté d'Imoilou. Non, j'allais dire, je suis quand même assez déçu qui prennent pas la game au sérieux, mais en vrai on peut pas leur en vouloir. T'sais. Ouais, effectivement, c'était quand même la c'est différence ça. Était assez. On a quand même apprécié le match. Quoi. On a quand même apprécié le match. C'était vraiment incroyable. On va peut-être pouvoir voir les stats si j'appuie sur le bon bouton. Mais regarde-moi ça. Attends, où est notre
Notre tarte à roche, 25 300 euros. C'est ça, ouais, c'est mais ça, bugué ici. mais oui, c'est mieux comme ça, c'est plus visuel, quand Ouais. même. Non, j'ai pas les graphismes Non, encore. tu Les l'as graphiques pas? encore. Non, c'est bugué quand on sort. Mais 25 303 de dégâts. Genre, on voit la petite barre là, C'est elle est ça. vraiment haute. Ok, on a essayé de le match avec les 17 000 de dégâts de Xerath. Mais C'est Xerath, tous ça. ses dégâts, c'est des pokes qu'il a eu de loin. Donc, tu sais, forcément, ça grappille, ça gratille, C'est ça ça, oui. gratte les dégâts au fur et à mesure. Justement, ça, je voulais parler justement de Xerath. Très bon à poker, par contre. Il a su utiliser sa ult de façon efficace Oui, quand même. bah, c'était C'est un justement. sniper. Il Il a a quand même eu fait. deux joueurs avec son Oui, non, ult. il a fait des snipes qui étaient pas pires quand même. Tu sais, c'est sûr qu'à cause de ça, il a eu, je pense que c'est justement ça avec ses deux kills. Il a eu ses deux kills justement en snipant deux joueurs d'Alimoilou. Ouais, c'est ça. Et on peut voir Puggerfish dans le chat qui dit que ça aurait été drôle que le Garen erre pour le Penta. Alors, Ouais, là, ouais. bah si tu trouves ça drôle, tant mieux. Mais en Oh. vrai, on voulait un premier pentakill en tout cas de la saison. Ouais, c'est incroyable. Casté en tout cas. Peut-être qu'ils en Casté? ont fait d'autres, je sais pas, j'ai pas Ouais, vu. peut-être, oui. Mais c'est le premier pentakill que je caste cette saison. Donc, non, ça n'aurait pas été drôle, monsieur Puderfish. Je veux te parler justement de ça. Comment tu te sens pour ton premier pentakill que tu dois caster? Comment est-ce Ah, que tu et t'es en vrai, senti? c'était vraiment sympa. Genre, on le sentait, tu vois. C'est pas un Ouais, pentakill random qui arrive. c'est C'est tu ça. le vois, ça hype, ça hype, ça hype, jusqu'à l'explosion. C'est ça. Voilà. C'était vraiment masterclass du côté de Limoilou. Et j'aurais été extrêmement déçu que Speed Meditation vole le pentakill, je t'avoue. Ça aurait gâché le Mais ça a punch l'air. en vrai. Ouais, mais c'est Vraiment. un. Ouais, mais c'est un vraiment nice guy en plus. Ouais, c'est Du ça. coup, il l'a pas fait parce que voilà. De toute façon, moi, tous les mercredis, je fais du sport avec les conquérants. J'aurais sûrement balancé des ballons dans la tête lors du basket Ah, à c'est Speed Meditation sûr. s'il avait volé le pentakill. C'est clair. Je pense Donc, que tout le monde sain d'esprit aurait fait ça, clairement. ouais, mince, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Voilà, faut que ça repasse quand même sur notre petite Oui, caméra. quand Ça fait même. une heure, vous nous Hey. avez pas vu, tu vois, genre. Bah oui, Quand même. c'est sûr. Écoute, je suis vraiment. Parce que là, c'était la première game. Il y a une deuxième game comme ça ce soir. Oh, c'est bon. Ça va être quelque chose. Je suis vraiment hype. Invitez tous vos cousins, vos cousines, vos papas, vos mamans, vos grand-mères, vos arrière-grand-mères, vos fils, vos petits-fils. Pourquoi pas? Du Jésus-Christ aussi, si vous voulez. Bah oui. Je veux voir tout le monde. Bah oui, c'est Sur sûr, là. ce. J'ai pas le droit d'utiliser des mots grossiers, ok? Mais tout le monde sur ce très beau live. Sur cet excellent, cet Ce excellent texte est en live. live. Bah oui. Je veux voir beaucoup de monde pour cette deuxième game qui va être aussi masterclass que ça. Et là, effectivement, je te l'avais dit, Ouais. Tartaroche sur un vrai ADC. C'est ça, C'est oui. un Tartaroche qui joue au World. Oui, exactement. C'est ça. Non, en vrai, le niveau là, de que Tartaroche sort, à part. Bah, en vrai, non, lui, il a pas troll, hein, je crois. Bah, non, il a pas troll. Il s'est fait catch une fois dans la jungle, mais c'était justement pour surprendre les ennemis. C'est ça, ouais. Donc il jouait vraiment tryhard. Oh, ouais. Comparé à. Hein? Je On pense qu'on commence l'avait pas juste là. mal, on l'avait juste mal lu, ce mort-là qu'il avait eu. Mais Non, peut-être mais que oui, pour moi, effectivement. il pensait, tu sais, il voulait juste catch C'est les ça. ennemis off-guard, Ouais, je quoi. pense que c'est plus ça. Voilà. Malheureusement, c'est vrai que les joueurs sont au Cégep maintenant, donc on fera pas d'interview à la fin. Mais en saison régulière, il y aura des interviews à la fin pour les joueurs. Bref. Écoute, je pense qu'on peut se reposer un petit peu, prendre une petite Oui, pause. Voilà, et vous effectivement, aussi, oui. faites une pause pipi. Essayez quand même de rester pour la musique de Lalu. Oui, C'est quand même effectivement. sympa. Lalu Beats, on vous lance Yes. sa musique maintenant avec l'écran de pause. À tout de suite. You say you love me, but you don't wanna rush it. Don't wait.
don't love you anymore.
Oh,
Quel en soit, le Léonard qui joue très agressif, mais malheureusement, qui se passe tout. Le premier kill qui était placé. Après une défaite de 5-0 dans le match numéro 1, les conquérants sont de retour. Oh, Manon, on flash pour essayer d'attaquer. Oh, c'est on bien fait. Ici. Mais très bien fait. Ça sent les bas qui neutralise le ballon sur le mur arrière. Le tir de Kittelba transverse tout un arrêt de Louveton qui vient sauver la mise. Ça fonctionne pas. En tout cas, bonsoir tout le monde. Après ce bug technique, je ne sais pas d'où il vient. Oh, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. C'est pas grave, pas la fin du monde. On s'en est aperçu très vite. Vous n'avez rien vu. Effectivement, c'est le cas de dire. Très bien. Voilà. En tout cas, récapitule-nous ce qu'on vient de witness. Tu vois, ce qu'on vient de. Effectivement, on peut voir que clairement, les Moilous. Dominer la game tout le long, ne serait-ce que le early game, mid, end, puis on va sans oublier le pentakill à la fin. C'est ça, qui a fini pentakill la game de la part de Tartarush. Tellement bien. On vient de voir une game dominée de A à Z, les seuls moments de faiblesse c'était du int vraiment de Limoilou. Ouais. Limoilou qui, ils se sont pas fait surprendre, c'est vraiment juste qu'ils ont fait exprès en fait. Voilà. Attends, ça écrit un petit peu, je sais pas si jamais. Ok, on a le lien de la draft. C'est vrai que ça commence assez vite. Ouais. Attends, c'est spec ça, c'est pas spec. Attends. Blue spec. Ok, c'est bon, on va bientôt avoir le lien. Ok, non, je suis bête. C'est ça.
C'est le lien là pour la draft, ok? Et donc, ils font une game 2 contre Maisonneuve. Maisonneuve qui se... Je sais pas où c'est. J'ai jamais entendu en plus ce cégep avant. Mais je suppose que c'est un cégep qui est dans le haut du classement en ce moment. Donc, un adversaire... peut-être enfin à la taille de Limoilou, on sait pas. Peut-être, on le sait pas. Là, ils vont faire... Et là, Limoilou, en fait, ils sont en train de faire le tour de tous les cégeps en haut du classement. Ouais. Ils les tartinent un par un, détruisent, tu vois. Détruisent, ouais. Bah, c'est ça. Bah, détruire. Faut quand même être... Non, attends, on est quand même dans un stream. Même ouais, si on est pour Limoilou, on doit être neutre. Ouais, mais là, vu ce qu'on voit, on peut pas, genre, enfin... Les tartines, ouais, c'est un bon terme, ouais. Il y a trop de hype, quoi. Ils se font tartiner complètement, et avec du beurre sur la tartine, voilà. Limoilou, bien joué à eux. Mais on a aussi nos autres équipes qui jouent les soirs en parallèle, juste qu'on ne va pas tester tout le monde. Et pour les autres équipes, les scores s'affichent juste en bas en plus. Limoilou Drago qui viennent de perdre contre je sais plus qui. Ça arrive. Ouais, ça arrive. On donnera les détails la semaine prochaine. On sait qu'ils viennent de perdre et que les Scuttles, eux, viennent de gagner. Ouais. Enfin, excellent, oui. Après leurs deux défaites de la semaine dernière, une petite victoire, ça redonne le moral aux troupes. Et là, je suis sûr qu'ils sont chauds ouais. ce soir. C'est clair. Ils sont chauds patates, mais on les verra pas parce que nous, on va voir la deuxième masterclass de la soirée. Ouais, exactement. Le choc des titans qu'on attend tout temps. Tartaroche en botlane ouais. avec Edgerunner, les carries. Désolé de ne pas mettre les autres joueurs sous les spotlights, mais pour l'instant, on voit ça. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est vrai que la caméra... du jeu est souvent mi bot lane, tu vois. C'est ça, ouais. Et aussi des très bons fights d'Aatrox, des très bons 1v1 qui ont été pris. Ouais. Qu'on a juste pas commenté, ne m'en veux pas. Désolé. Pas obligé de me frapper mercredi quand tu me vois. C'est tout. Bref, est-ce que la draft aurait pas commencé par exemple? Non, pas encore. Ils attendent sûrement que tout le monde soit là. Une draft, encore une fois, que je sens masterclass, puisqu'on le rappelle avant, finalement, la Kessa qui a été en ADC. C'est ça. Mais on. Tu sais, on hésitait, genre, c'est Syndra, est-ce que c'est Kessa? Ouais, c'est ça, c'était comme, avec raison, notre doute. Notre confusion, c'est ça, notre doute. Ouais. Le doute, voilà. Sainte-Foy qui nous avait proposé une très bonne draft de leur côté aussi. J'étais surpris, parce que je pensais qu'il n'y avait que notre cégep qui avait fait un effort sur les drafts. À ce qui paraît, non. Donc, on voit qu'il y a des adversaires. Ouais, effectivement, oui. C'est genre, ok, ils se sont fait détruire, mais c'est ça. Limoilou qui a très bien repéré que c'était le Kane... Kane, la win condition, enfin c'est pas la win condition, mais eux, fallait qu'ils shut down le Kane. Et c'est ce qu'ils ont fait dès les 30 premières secondes de jeu. Oui. Invade, Ward, Aatrox qui va chez. Non, oh non, ça. C'était très maîtrisé. On voit les win conditions, on les prend. Vraiment, j'en attends beaucoup de cette équipe tout au long de la saison. Effectivement. Effectivement. Ça parle, mais est-ce que ça lance? En tout cas, on nous dit dans l'oreillette, encore une fois, enfin dans la deuxième oreillette, que Limoilou, en plus on le voit, sera du côté rouge encore une fois. C'est ça. Côté rouge, ça veut dire qu'ils n'auront pas le first pick. Donc, s'il y a un champion comme Jinx, par exemple, qui voudrait prioriser en priorité, ça veut rien dire, mais on a compris, ils pourront pas. Donc, ouais. Mais ils auront le dernier pick, donc ça veut dire qu'ils auront le dernier mot sur la composition. C'est eux qui choisiront. Enfin, il y aura forcément une lane qui aura un avantage. C'est un, ça, bah oui, c'est un ça. Personnage qui sera meilleur contre un autre de Maisonneuve. Qu'est-ce qui nous envoie? Ok, c'est le lien du spec encore. Ouais. On attend encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a des réactions dans le chat? Ok, un fun, très bien vu de la part de Plante. Fun fact, c'est que au vu des scores actuels, si les dragons reperdent une game et que les Scuttles regagnent une game, ils seront au même score ce soir. Donc finalement, on s'attendait à ce que les dragons soient meilleurs que les Scuttles, mais on peut peut-être les avoir à égalité. Ouais, ça se pourrait, oui. Mais en vrai, j'ai pas trop envie de voir ça parce que forcément, ce que j'ai envie de voir, c'est que les dragons gagnent et les Scuttles aussi. Ouais, bah évidemment, bah, c'est sûr, on s'entend. Oui. Mathématiques, face, tu vois. Ouais. Forcément. Et c'est ce qui va se passer. Vous n'avez pas le choix, les gars. Vous n'avez pas le choix. Très bien vu de la part de Plante. Plante, d'ailleurs, qui n'est pas là. Je sais pas quand est-ce qu'on va te revoir sur le stream. Un jour, peut-être. Peut-être, oui. Planter l'analyste. Bref, ce soir, la draft. Est-ce que tu penses... On va faire des prédictions, tiens. Ok. C'est vrai que t'as pas regardé les autres matchs. Oui, effectivement. Fait que c'est pas tant. C'est pas tant. Ouais. Mais si je te dis
si jamais Limoilou rejoue un APC, enfin, comme ils ont fait les semaines précédentes, APC, qui est-ce que tu verrais en APC? Je verrais plus Syndra. Syndra, évidemment. Juste. Ben, je verrais Syndra. J'en ai pas d'autres en ce moment que je peux Ok, penser mais avec qui? immédiatement. Avec Kay, tu la mettrais par exemple? Et, Mais bah tu sais, si jamais ça te pose problème au niveau de. ouais, ben, en Tu peux pas fait. être un maître draft Non, comme évidemment, là, je peux pas, là, mais évidemment, je sais pas qui choisir exactement, mais évidemment, ça serait plus quelqu'un qui serait capable de stun, genre sur place, Avec et de Syndra, oui. root. C'est ça. Fait que ça serait, ouais, justement, des personnages que. Et bah, Pas on nécessairement de a grade. le Amumu, Ouais, Amumu, Amimu, ouais, Stun effectivement. Root, Amumu Syndra. Ouais. Mais finalement, car, regarde, on l'a eu dans la game précédente, C'est ça. parce qu'il y a un moment, ce qui s'est passé, c'est que. Ah, attends, mais j'y pense, c'était vraiment une masterclass. Parce que Kaisa, elle pouvait être mid, Syndra aussi. Ouais. Et finalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à un moment dans la game, Ils ils ont ont juste. changé leur lane, j'ai C'est vu. ça, ils ont La Kaisa, elle switché. s'est retrouvée mid, et Syndra Amumu, qui fonctionne très bien aussi. Ouh, c'est recherché de la part de Limoilou. Vraiment, là. C'est recherché parce que ouais, toute la composition synergise bien ensemble. À part Aatrox, mais tu sais, Aatrox, genre c'est le god pick du moment en top lane. Ouais. Donc, pour te juste apprendre à Aatrox, puis tu sais que t'es tranquille de ce Oh oui, c'est côté-là. ça. De toute façon, tu veux faire jouer ta bot lane. Donc, ouais, on reverra sûrement un truc de ce genre-là avec. Tartaroche aussi, peut-être que tu le savais pas. Mais l'année dernière, il était mid laner pour l'équipe A du OK. Cégep. Donc, tu sais, il a joué la mid lane là, Ouais. à haut niveau, tu sais. Donc, c'est pour ça qu'il a. Lors de la dernière partie, quand ils ont swap les deux lanes à un moment, bah, il s'est retrouvé comme chez lui finalement. Ouais. Il s'est dit, bah, la mid lane, c'est bon, je connais. Je sais quand décaler, quand faire mes invades. Et on le rappelle, il était. Et aussi, quand dive le mid laner ennemi, on rappelle ce premier dive sur le Xerath qui s'est déroulé à peut-être 5 minutes de jeu, il me semble. Vraiment très, 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 très. Très... Pardon. On en prend. Très 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 tôt dans la game, il y avait le mid laner et la bot lane qui sont allés dive le Xerath. Ouais. Je me serais pris ça, j'aurais eu envie de pleurer Ouais. de la part des adversaires. Et la draft va démarrer tout de suite si j'appuie sur le bon bouton. C'est effectivement le bon bouton. Voilà. Donc toi, tu avais dit Syndra Amumu. On s'attend à les C'est revoir. ça que je verrais. C'est ta prédiction. Ben, aussi, ça se pourrait peut-être Morgana aussi. Ça, je sais que ça s'est joué des fois Oui. en tant que support, qui évidemment à cause de son Q, que, il me semble qu'il n'y a pas tant de cooldown que ça relativement avec la puissance de son Q, on s'entend. Ouais, mais pour moi, Morgana, ce serait uniquement pris s'il y a beaucoup de CC en face pour Ouais. son spell shield, c'est pour son E, Ouais. qui l'empêche, un allié ou elle, d'être. Bah, ça l'immunise au crowd control, au contrôle de foule, c'est ça? Ouais. Je cherchais le mot en français. Parce qu'on est sur un stream, c'est en français, il faut essayer d'utiliser les mots français, je sais. Ouais. Mais quand on joue beaucoup au jeu et qu'on a l'habitude d'utiliser les termes anglophones, c'est compliqué. Ouais, effectivement. Limoilou qui a banni Layumi, il déteste définitivement C'est son Q. clairement, puis aussi Jarvan aussi. Jarvan, ça fait deux. C'est la game d'avant aussi, il Oui. avait ban. On aurait dit qu'ils ont une dent contre. Je sais pas. Ouais. Je suppose que elle était aussi ban leur game d'avant. Ouais, effectivement. Et ça ban la Renata Glask aussi des côtés de Limoilou. Renata qui est un champion qui permet d'activer son ADC. C'est très puissant pour activer l'ADC. Après, c'est pas elle qui va carry la game si l'ADC est derrière quoi. Ouais. Mais Renata, c'est un perso qu'on voit pas souvent, qui n'a pas de dégâts, qui a des longs CC, tout ça. Mais ça permet quand même son W, donc ce n'est pas son ultime, permet de revive un allié. Ouais, Et effectivement. de. Enfin, c'est un boost de testostérone incroyable. Syndra, effectivement, qui était pick. Syndra, Donc Syndra qui Aatrox, est. c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un pick qui va être très clé dans toute la progression de l'équipe Nashor au cours de la saison. Ouais. Parce qu'elle peut être tellement flex partout. Tartaroche la joue, Ewok la joue. Bah, c'est déjà ça, mais je veux dire, c'est un champion très bon en général, quoi. Donc, ouais, on le reverra souvent, comme Aatrox, qui est un pick très affectionné. Ouais. Pour l'instant, la draft n'a pas l'air plus différente que la game d'avant. Par contre, Oh. du côté de Maisonneuve, ça joue complètement différent. Ouais, vraiment. Parce qu'il n'y avait pas de tank, il me semble, dans la game d'avant. Il y avait deux healers et pas de tank. Ok. Là, on a un tank. On a un Et on a véritable du tank. revive. Ouais, c'est ça. On a un bruiser aussi. On a des dégâts. Oui. Donc là, ça va être une game différente, tu sais, au niveau des. Position des interactions, tout ça. Déjà, une Sejuani
là, il y a des d'innovate qui va se produire, tu vois. C'est ça, ouais. On n'est pas en train de prédire que ça va être le jungle, c'est clair. Ouais, après, c'est vrai qu'il y avait d'innovate. Oui, c'est vrai. Non. Ah non? C'est joué top, c'est joué en ce moment par les pros. Ah ouais? Okay. Et vu que Maisonneuve est sans. Bah, j'ai pas regardé leurs stats, mais c'est une bonne équipe, tu sais. Ouais. Peut-être qu'on peut l'avoir top, tu sais. Okay. Ils ont peut-être la méta des pros, tout ça. On sait pas. En tout cas, le Rakan, oh, la support. Bah, on peut pas nous jouer un Rakan, ouais, non, quand même. Non, c'est ça. Pas mal. On veut pas. On veut pas voir des dingueries comme ça. Et là, Sivir qui pique du côté de Nimalou. Waouh. Sivir. Mm-hmm. Sivir, un champion sévèrement absent. Ouais. T'as vu le jeu de mots? Mm-hmm. Désolé de l'avoir fait, je m'en veux totalement. Sivir, elle est bonne à quoi? Elle est bonne à quoi? Et honnêtement, Sivir, c'est un de ces personnages que je connais presque aucunement. Tu connais pas, mais bon, c'est un des premiers du jeu. Oh non, je sais, mais parce que effectivement, c'est un des personnages que j'ai vraiment pas porté attention. Là. C'est... Ah ouais? Quand j'allais jouer botlane, c'était plus Caitlyn, ces personnages-là. Mais ok. En fait, c'est parce qu'elle est plutôt faible ouais. À bas niveau, tu sais. Mm-hmm. À haut niveau, elle est pas tant forte non plus. Ça dépend quand c'est la méta. Ouais. Mais là, en fait, elle est, tu sais, c'est un ADC. Donc, mm-hmm. quoi qu'il arrive, si t'as beaucoup de kills et que t'es devant, c'est sûr que ça fait le taf. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas celle que tu veux prioriser parce que y en a. Tu sais, elle est bonne, mais t'as au moins 20 ADC meilleurs dans le jeu. Donc, mm-hmm. pourquoi la pique elle alors que t'en as plein qui sont meilleurs? C'est ça. Puis je tiens à dire aussi, ça va de soi. Xayah a été banni immédiatement, c'est ouais. sûr. Je pense que c'était un peu dans un faux pas du côté de Maisonneuve. Il aurait pu switch après. Ils auraient pu piquer avec Xayah avant et garder le Sylas en blind. C'est ça, il aurait pu. C'est ça. C'est vrai. En fait, moi, j'aurais dit plus les deux bots à fin, peut-être. C'est évidemment. Que... Non, souvent, à la fin, on préfère prendre la top lane et le mid. Ah oui, ok. Là, c'est d'ailleurs étrange de prendre ADC à la fin. Mm-hmm. Mais Sivir, bref, pour reparler, c'est un perso qui a beaucoup de wave clear. Tu sais, elle balance son guspel dans les CS, ouais. c'est le sort de gros boomerang ouais. là qui ouais. va faire des dégâts et qui revient, qui fait très mal. Mais Xivir, ça fonctionne mieux avec un support qui CC. Ouais. Donc là, on verra sûrement le Amumu justement. Ouais, peut-être. Parce que ce qui se passe avec Xivir, c'est que son guspel fait très mal, mais il est dur à toucher parce que tu sais, il y a l'aller-retour et c'est très long. Mais si tu prends un perso qui CC, t'as le temps de faire l'aller-retour quand le mec est stun ouais, et ça fait des dégâts dévastateurs. Et Sivir aussi qui a son E, c'est un spell shield, c'est un bouclier anti-magie. Donc en gros, ça bloque le prochain sort qu'elle reçoit et ça lui rend du mana. Donc, quand on voit des persos comme Rakan ou Sylas, que souvent les premiers dégâts qu'ils vont te mettre c'est un stun. Oui. C'est genre Rakan, le premier truc qu'il va faire c'est te bump dans les airs, Sylas c'est te mettre sa chaîne. Bah là Sivir elle pourra empêcher justement de se prendre ses dégâts et l'effet de contrôle de foule. Ah, je pense que tu ne connais pas ce perso-là. Pas en tout. Vraiment, c'est un des personnages que j'ai acheté pendant ma grande longue pause de League. Fait que. On va voir ce que ça a donné. Je la connais pas du tout. Je pense qu'elle est jungle, me semble. Non, ouais, mais ça. Je ne la connais pas beaucoup non plus. Je sais à peu près, je vois à peu près ce qu'elle fait. Mais je connais pas du tout les spécificités du champion, tout ça. Donc ça va être une partie assez intéressante à regarder. Mm-hmm. Je sais que quand elle est bien dans la partie, elle auto-attaque très 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 vite. Ouais. Donc on peut voir du coup une botlane Ezreal Rakan pour Maisonneuve. Et du côté de Limoilou. Alors, Poppy support peut-être. Oui, ça ferait plus de sens. Ça ferait du sens, mais le truc c'est que le dash d'Ezreal ne peut pas être cancel par la zone de Poppy. Donc ils l'ont pas pick pour Ezreal. Peut-être pour Rakan. Après, la Sivir ouais. n'est peut-être pas ADC. Hein. Peut-être, c'est mais... Syndra ADC. Peut-être, mais je sais que Rakan est capable de dash sur son sur l'ADC qui ouais, ben protège. Ça... Fait qu'en fait, probablement que c'est pour ça qu'ils l'ont choisi, ouais. pour justement le bloquer. C'est sûr que ça cancel. Ça cancel ça. Hop, bah de toute façon, on va se rendre compte très vite. Oh oui, c'est sûr. À quoi ça va ressembler. Mais ça là, je sais pas. Mais leur jungle, bah ce serait évident que ce soit Garen vu que c'est un OTP Garen en jungle. Oh, bon, ben là, je viens de voir dans les commentaires Sci-Fi qui nous vient à Roscus. Ouais. Poppy est capable de cancel Sejuani, Rakan, Belvette et Sylas. Ouais, bah, c'est un excellent choix. Là, c'est ça. Ouais, dans la composition, c'est vrai. C'est ça. Parce que moi, j'ai juste pensé au duel botlane. Donc je me suis ouais, dit, c'est ça, pas effectivement, oui. Mais en fait, ça va être un enfer. Hein. Ouais, c'est surtout ça. Que Edgerunner, tu sais, genre.
C'est un bon joueur, quoi. C'est sûr qu'il va l'utiliser à son plein potentiel, la Poppy. Enfin, l'anti-dash de Poppy. Ouais, bah écoute. Peut-être le pick qui va définir la victoire de Limoilou, cette Poppy. Très clutch, Peut-être, du coup, ouais, si elle peut-être. permet d'annihiler 4 joueurs et demi, c'est très clutch. Mais j'en attendais pas moins de la draft de Limoilou après, honnêtement. Alors, on peut voir Garen Jungle et la Syndra sera mid, encore une fois, pour Ewok. Donc Ewok, attention parce qu'on te voit beaucoup sur Syndra. Ça va être un pick signature pour toi. Et la Sejuani qui va être top. Donc je l'avais dit au début. Ouais, effectivement, ben, ouais, c'est justement en voyant ces belles vêtements, j'ai confirmé que, oui, Ah oui, bah oui. c'est sûr, là. Ouais, Sejuani top, beaucoup joué en ce moment dans les Worlds. On la voit une game sur trois, je dirais à peu près. Ah oui. Alors, en fait, c'est pas broken, mais ça fait le taf, tu vois. Ok, C'est ouais. tanky et ça peut jouer weak side. Donc ça peut jouer. Tu sais, genre, on la laisse toute seule sur la lane, elle se fait gank, mais souvent elle meurt pas sur les ganks parce que tu sais, Ouais, c'est effectivement. tanky. Sivir pour Tartaroche, je l'ai jamais vu de ma vie sur ce pick. Mais je crois que je l'ai vu la jouer en solo queue. Ah, Dieu. Donc, tu sais, il sait la jouer. Mais je l'ai jamais vu et ça va être peut-être impressionnant. Sûrement pas décevant parce que Tartaroche, bah, ça fait aussi partie de ces joueurs qui peuvent utiliser le plein potentiel d'un pick. Surtout que, comme je te l'ai dit, il est très fort pour surprendre les ennemis Tartaroche, pour faire des moves genre qui fonctionnent et que tu ne t'y attends pas. Mais c'est ça que les bons joueurs font de toute façon. Mais c'est pour ça que il va bien utiliser son spell shield, je pense. Enfin, tu sais, il fait attention à toutes ces variables-là, tout ça, de spell shield. Donc, effectivement, la Poppy support. Poppy qui va. Mais en fait, la botlane ennemie ne peut pas jouer finalement. Parce que le Rakan ne pourra pas go in. Comment tu veux go in une Sivir qui a son spell shield et une Poppy qui peut cancel ton dash, tu sais? Effectivement, oui. Parce que son bump aussi c'est un dash. Bah écoute, encore une fois, Limoilou favori. Limoilou favori pour cette game. Ouais. Est-ce qu'on va arriver aux 8 victoires, 0 défaites? Ça serait Ce serait incroyable. incroyable. Hop, excuse. Est-ce que tu crois que Belvette va essayer d'invade un peu le côté le jungle de Garen ou tu penses qu'elle va plus rester de son côté? C'est un champion à invade, Velvet, c'est vrai. Je vais fermer ça vite fait. Hop, hop, hop. Ok. Est-ce que Belvette va invade le Garen? Bah, Belvette, c'est très bon. Enfin, d'après ce que j'ai compris du perso, c'est que ça veut être. C'est ça, dans la partie, quand elle est très bien, elle attaque super vite. Et en fait, elle scale sur le nombre de kills qu'elle a et tout, je crois. Ah, Donc, ce qui veut dire que si elle scale sur l'avance qu'elle a, si elle n'a pas d'avance, elle est censée être pas bonne du tout. ouais. Et au début de partie, du coup, les deux personnes sont à égalité. Ouais. Donc, Belvette devrait être faible, je pense. Ouais, effectivement. Que ce soit Garen qui, lui, n'a pas besoin d'avance pour. Tu sais, genre. Il a juste besoin de farmer et puis ça C'est vient tout ça, seul, tu ouais. sais. Belvette, elle a vraiment besoin de prendre des kills parce que c'est plus. Elle a. C'est vraiment ça son kit de sort, je crois. C'est. Une élimination lui donne du pouvoir supplémentaire. Ouais. Donc là, c'est ça. Elle, faut qu'elle farme les kills. Ce qui est assez ballsy quand même de partir sur une stratégie comme ça. En 5v5. Parce qu'en 5v5, tu sais, comparé en solo queue où les gens font un peu n'importe quoi. Ouais. C'est plus compliqué d'aller choper des solo kills, tu sais, d'aller Ouais, surprendre des effectivement. ennemis. Parce qu'ils savent où t'es, ils se communiquent entre eux Bah au oui, lieu de jungler. évidemment. Donc, cette Belvette. Après, c'est peut-être le bon choix contre Limoilou. Limoilou qui aime bien int. Qui aime bien donner des morts inutiles quand ils se prennent la confiance. Effectivement, oui, t'as raison, Ah oui, attention, faites attention là, Limoilou. bah Là, on est. Ah ouais. Peut-être qu'on verra la première défaite si cette Belvette est très dans sa game. Est très bien dans sa game. oui. Oui, effectivement. Moi, j'ai un peu de misère à parler. Excusez-moi. Un petit peu d'eau, ça va. Ça va aller. Parlons-nous de ce match-up top lane. Top lane. Ouais, je sais que ça. C'est peu commun. Je connais un peu, en fait, je connais un petit peu Sejuani, mais honnêtement, je l'ai pas tant vu sur les dans mes games. Fait que évidemment, je joue pas très haut niveau. Ouais. Fait que je la connais presque pas, là. Mais Mais c'est un tank, donc tu sais, c'est attends que je suis ça, monté oui. tank. C'est ça. Fait que ça va être tank contre
Tant que je dirais dans ce cas-là. C'est pas un tank, c'est un Blitzer. Et Aatrox, c'est un passif qui fait des dégâts en fonction des PV max. Ah, ça fait mal, ça peut faire mal, ça fait un petit peu mal au tank, tu vois. Ouais. Donc je pense que Sejuani va devoir juste jouer safe. Ouais. Pour éviter de mourir contre Spotify User qui a son. Il prend quand même pas mal de solo kill. Mm-hmm. Ouais, effectivement. C'est vrai. Sinon, juste avant que ça commence, bot lane très en faveur de Limoilou. Et mid, Sylas normalement qui ne peut pas jouer contre Syndra parce qu'à chaque fois qu'il va essayer de la all-in, elle peut juste la repousser. Ouais, c'est sûr. Donc Limoilou, je pense qu'il gagne sur tous les termes du match en tout cas. Et je vais lancer la petite vidéo et on est parti après. Pour le in-game, comme on dit dans le milieu. À tout de suite. Et on est parti directement in-game, désolé pour ces petits bugs d'affichage, on n'a pas fait beaucoup de. J'ai pas fait beaucoup de tests sur l'ajout de cette vidéo. En tout cas on peut voir directement le petit combat qui se déroule en mid lane. Enfin le petit combat. Ouh, c'est le flash de Celeste qui va directement faire flash la Syndra. Écoute, très important parce que les deux midlaners n'ont pas de flash tous les deux. Mm-hmm. Ce qui veut dire qu'ils vont être vulnérables au premier gank de la partie. C'est ça effectivement. Sinon, l'invade, à quoi est-ce qu'elle servait en soi? On a posé de la vision un peu deep, mais on n'a pas forcément envie de shutdown le top adverse. Qu'est-ce qui se passe? Poppy cancel culture? Oui, ok, plante. Concentre-toi en tant que. Bah, après, c'est vrai qu'il est coach et que toutes les équipes sont en train de jouer, donc il est juste. T'sais, il n'a pas le droit de le communiquer avec eux. Donc mais il a le droit de s'amuser quand même. Ouais, voilà. Bref, est-ce qu'au niveau des starters, on a quelque chose de particulier? Oui, la Sivir qui a une Q. Donc ça veut dire que elle va vouloir juste. Bah, ils veulent pas fight au début, ils veulent juste farmer. Bah, après, je dis ça, mais regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont ouais. En train de faire les malins. Mais ça, c'est bon. On prend le chemin safe. Ça commence immédiatement. Ça commence immédiatement, mais normalement, Ewok devrait pouvoir rendre les dégâts. Mais ça commence filou du côté de Limoilou. Heureusement, on prend le passage safe. Pour Maisonneuve. Oh, ça fait un autre trade. Qui se prend des bons trades, mais Sylas qui n'a pas réussi. Enfin, qui a un petit peu bégayé. Sur ouais, les effectivement. Attaques. Ok, c'est l'all-in directement, mais qui est repoussé par Poppy. Très bon stun, et normalement il va se prendre pas mal de dégâts. Le Ghost qui est claqué directement du côté de Tartaros. On a peut-être envie de follow l'action. Non, ça n'ira pas plus loin, c'est bon. Très bon trade. On n'est pas encore level 2, normalement c'est censé être calme en botlane. Très bon trade du côté de Maisonneuve quand même. Ils ont réussi à baisser les deux PV quand même. Malgré que Rakan a pris énormément de dommages quand même. Ouais, mais on laisse le level 2 quand même au conquérant premier. Donc ça veut dire qu'on va. On laisse les conquérants jouer en botlane se régénérer. La Belvette va pas stop side. Du coup, ça va être soit un gank sur la Syndra, soit un gank sur le. Aatrox il va peut-être être en danger parce que la wave va arriver sous sa tour et ça va rebounce vers la Sejuani sur le timing où Velvet sera là. Donc ça va être. Va falloir faire attention de son côté, il va falloir warder. Et Ewok qu'on a eu un petit peu marre de ses trades et pris en début de game qui dit ok, c'est mon tour de jouer. Laisse-moi. Ah, je vois peut-être un dive en bataille, on a claqué des summoners quand même. Ouais. Ah non, non, pas du tout, on a encore tous les summoners du côté de Ezreal, Rakan. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, c'est ça, Velvet qui.
Oh, mais attends, c'est très bien joué de la part d'Atrox qui n'a pas laissé la wave crash. C'est ça, oui. Donc, Velvet ne peut pas... Pas donc personne à part Syndra. Par contre, ça va être dangereux du côté de Syndra, mais ça a été très bien lu. Ouais. Très bien lu, mais on se prend quand même First Blood. Le gank. First Blood. Ouais, First Blood du côté de Maisonneuve. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, plus de flash. C'est ça. Justement, on l'avait dit, hein. Ouais, on l'avait gank, dit que ça se passerait là. Mais gank, ça allait être justement pendant le temps que... Ouais. Par contre, on voit le 1v1 qui est directement placé du côté de Aatrox. Ça peut être très dangereux pour la... Pour la Sejuani, peut-être le flash auto. Oui, oui, c'est très bien joué. Spotify user qui fait beaucoup de solo kill avec Aatrox. Et enfin, on en commente indécemment. On commente en fait tout simplement son. Oui, vraiment. À chaque fois, on le regarde faire. On fait bon, bien joué. Ouais, c'était pas pire là. Ok, on passe à la chose. Là, vraiment, on va prendre le temps. C'est là. Bien joué. Edge Runner qui met de la pression. Malheureusement, il a loupé le stun à pas grand chose. Mais c'est ça ce qui s'est passé vite fait au côté d'Amidate. C'est que Ewok venait d'utiliser son spell pour désengage. Attention parce qu'il se prend des dégâts, il a peut-être vraiment, un peu de misère. Oui, énormément. Ouais. Mais c'est ça, Ewok qui utilise son E pour mettre des dégâts plutôt que pour désengager les ennemis. Et malheureusement, il l'a utilisé au timing où Belvette était là, et Belvette qui est encore là d'ailleurs, qui va pas laisser passer l'occasion de dash in directement avec le flash qui est placé, et Ewok n'a rien pu faire. Non, vraiment, là, c'est pas un excellent début de game pour Ewok. C'est pas un bon début de game pour lui. Et la faute à quoi? La faute à ce qu'il utilise son E pour trade au lieu de pour disengage. Donc, j'espère qu'il va conserver son E maintenant. Parce qu'on n'a pas envie de mettre la Belvette devant, comme j'ai envie de dire. Effectivement. On veut la laisser dans la panade. En plus, c'est un Sylas. Et Sylas, c'est un perso qui fait quand même pas mal de dégâts. Je pense qu'il va partir sur. Attends, comment s'appelle l'item J'ai plus le nom d'item, mais c'est un item bleu. Donc Frost quelque chose, Ice quelque chose peut-être. Frostbite? Non. Et ça balance de la glace et ça peut stun ennemi quand ça touche au milieu. Non, c'est pas grave. Bon, c'était la dernière mort pour Limoilou en tout cas. On va se reconcentrer du côté d'Ewok. Ewok qui va probablement conserver ses sorts. Ne pas les lancer juste pour poke 2-3 dégâts sur le Sylas. Everfrost, oui, c'est ça. Parce que je sais qu'il y a un joueur pro en ce moment qui fait un autre build. Attention, Edgerunner. Ok, c'est le Ghost qui est directement claqué du côté de Sivir. On a envie d'accélérer, mais on est peut-être un peu trop loin. Ouh, c'était vraiment ballsy ça. Ouais, vraiment. Ils étaient sous leur tour et on a quand même claqué les summoners du côté de Limoilou pour tenter de les prendre. Aatrox, par contre, qui est en train de se mettre très bien puisque Sejuani ne peut pas jouer sa partie. Directement, dès qu'elle essaye de farm, on la trade. C'est bien joué de sa part. En plus, il est bientôt level 6, il est level 6, du coup il ne craint plus les gangs de Belvette. En plus, il a wardé. Par contre, il ose, comme je le dis, qui conserve pas son E quoi. Ouais, effectivement. Il va falloir faire attention parce que une troisième mort est très vite partie, même s'il a son flash maintenant. Et Belvette, ça a été vu du côté de Spotify User, je pense. Ouais, je pense qu'il a vu l'effet. Oh, peut-être pas. Non, et il ne peut plus bouger. Ah. Malheureusement, il n'a pas vu le passif de Sejuani qui s'est activé sur l'allié. C'est ça, ouais. Voilà, c'est ça que je t'ai dit. C'est que quand Sylas go in, tu peux le repousser. Ouais, c'est ça. Bah, pour l'instant, Belvette qui fait une très bonne game. Et c'est sa Spotify user qui n'a pas vu le passif de Sejuani s'activer. Il n'a pas fait attention. Il s'attendait peut-être pas à un lane gank. Parce que c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de monde faire ça. Ouais. Mais contrairement à la partie précédente. Regarde ce qu'on voit, directement le dive. Ok, c'est très bien joué, on a cancel le dash du Sylas et ça va être follow avec le passif d'Ewok. Par contre, Ewok qui se retrouve en 1v1 contre la Belvette qui est flash, qui est fed. Il y a Garen qui est là et Garen a son ult. Ewok le flash, Belvette qui régénère, l'ult de Garen, ça passera, mais malheureusement il y a la botlane adverse qui a décalé. Il peut se mettre pour essayer de sustain. Dommage, il a voulu flash à travers le mur, mais il s'est fait bloquer par les poulets. Ouais. C'était une belle action de la part de Limoilou, mais qui était très bien lue. Oui. Du côté de Maisonneuve. Écoute, on a un match là. Là, on a un match. Ce sera pas un stomp, c'est ça. Everfrost balance de la glace XD. Ah oui, ça lance. Ça roule pas, ma sang. Je pensais que ça routait pas stun. Ah, ça route. Ah, ça. Mais ça lance de la glace, quoi. Ouais.
Attention Spotify user qui va mettre ses dégâts. Malheureusement il a plus de cooldown pour son Q-spell, mais il peut stacker son conquérant avec les auto-attaques. Mais il y a tous les joueurs ennemis du côté de la top lane. Et il n'a pas de ward, ça peut être dangereux. Ouais, effectivement. Ah oui, ils sont 4 quand même. Il se fait tuer puis il place l'Hérald. Ah, il va spotter l'Hérald. Il l'a spoté je pense. Ouais, ouais il l'a spoté. Ouais. Est-ce qu'on pourra réagir du côté de Garen? Je pense pas, il est en train de faire ses Wolves. Très bon call de la part de Maisonneuve. Malgré la différence de kill, il n'y a pas tant de gold d'avance, on est juste à 200 gold d'avance pour Maisonneuve. Et attention, ah oui Ezreal est tout seul, Ezreal est tout seul. Ouais. On va tenter un dive, Sivir qui a ult. Non. Ça va pas aller plus loin, mais on prend des plates quand même du côté de Tartaroche. Effectivement. On va prendre à peu près un kill de gold. Il y a Rakan qui est sur la rotation, qui s'apprête à rejoindre son Ezreal qui est en train de galérer. Il y a un fight qui va partir. Bon, c'est le Ezreal qui part. Retour à la base, frérot. Ouais. Entendez-vous. C'est pour ça qu'on joue Poppy. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on peut voir au niveau des golds? Je suppose que la Belvette s'est mis très bien dans la game. Oui, 500 golds de plus que le Garen, mais bon, c'est pas la faute du Garen, quoi. C'est ça. Ewok qui est un petit peu craqué sur l'early game, mais qui n'est plus mort et qui a chopé 2 kills. Donc en vrai, ça va. C'est ça, mais c'est pas mal plus au côté jungle qu'il y a une différence, mais Garen vient compenser avec ses 2 assists, puis son puis CCS qu'il y a de plus comparé au Belvette. Fait que c'est moins pire. Donc ça va. Par contre Ezreal elle vient de dash out. Non, on n'ira pas plus loin du côté de Tartaroche. On n'a pas la move speed pour le suivre. D'ailleurs est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant au niveau des items? Oui, Belvette qui a déjà son premier item. Oui. Le OTRK ça fait très très mal. Autant sur les tanks que sur les persos squishy. Et c'est peut-être Ewok qui va se recevoir le feu. C'est un bon stopwatch. Mais bon stopwatch, ça passe. Malheureusement ils sont 3. Ils sont 3 et Garen qui va tomber. Non, peut-être pas. Quand malheureusement même, ils sont 3. Ouais là c'est ça, là ça commence à être... Par contre on est 3 aussi du côté d'Imoilou et directement Poppy qui va cancel le premier dash. Et attention c'est pas fini parce qu'il y a Tartaroche qui est très très bien positionné. Bah peut-être plus maintenant mais qui se prend pas beaucoup de dégâts. Et on va pouvoir essayer de rendre les coups mais malheureusement Belvette qui fait beaucoup trop mal. C'est pas le fight qui part mais bien Ezreal. Bah oui c'est ça. C'est pas ce que j'ai dit. Je sais pas. Belvette qui va être un problème. Oui, effectivement. Effectivement. Et le Sylas aussi vient d'avoir son Everfrost. Le fameux item qui balance de la glace. Attends, c'est bien ça le nom qui me troll pas. Hein. Ouais, Everfrost. Ok. La Belvette va essayer de dive le Aatrox sur top lane. Ah, Spotify user qui est midlife. Et Belvette, ça fait mal aux personnes qui n'ont plus beaucoup de points de vie. Ils vont tenter le dive. Ils vont le tenter. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? On a le flash quand même du côté de Aatrox. Aatrox qui a vu la Belvette dans le coin, je pense. Ouais. Il est en train de... Bon flash. Le dive. Bon flash. Ouais. Il a son ult, il va peut-être pouvoir régénérer assez. Non. Par contre, il va choper un shutdown sur la Belvette. Je pense que c'est beaucoup de gold, ça. Je pense. Ouais. Oh, non, c'était pas... genre... Elle avait un shutdown, je pense. Hein. Pas sûr. C'est vu les kills qu'elle a. Par contre, Tartaroche. En fait, ça justement, elle avait eu son kill juste avant de mourir, puis après ça, elle est morte. Ouais. Mais Tartaroche qui n'a pas beaucoup de dégâts encore, mais il est dans le coin. Il met ses autos, quoi. Ouh, mais l'arrivée du Rakan qui va l'empêcher de choper le kill. Bien joué, bien joué. Ouais, très bien joué. C'est ça le problème de sa Q. Avec le fait que c'est une Sivir ADC, déjà un ADC. Mais c'est ça, il n'a pas beaucoup de dégâts dans les games, il n'a pas pu tomber cette session qui était un peu trop tanky. Et ça va être un excellent combo de Poppy et de Garen. Poppy qui a bump le Ezreal pour l'empêcher de E-out. Par contre, Ewok. Non, Ewok ça va. Ok, le Rakan qui s'échauffe peut-être un peu trop puisqu'il se retrouve en 1v4. Flash in, flash out. Bonne réaction du côté du Sylas qui aurait été silence sinon et qui n'aurait pas pu flash. Et c'est un move Herald qui est placé pour Maisonneuve. Ils vont essayer de finir cette tour. Est-ce qu'on pourra empêcher la charge du côté des Moilous? Je sais pas. On donne tout en tout cas. Ok. C'est un très bon teamfight. La Poppy qui empêche tous les ennemis de jouer parce qu'ils ont tous des dash et ils ne peuvent pas utiliser leur dash. Et c'est sûrement le Sylas qui va tomber. Et on continue. On va essayer de chercher cette session ligne mais qui est peut-être un peu tanky. C'est peut-être un peu dangereux. On va perdre des joueurs dans l'initiative.
Mais c'est un 1 pour 4, 1 pour 2 du coup avec la suite de Ezreal. C'était très bien joué parce que si vous n'avez pas marqué, Poppy, elle s'est jetée dans les ennemis avec sa zone autour d'elle. Et vu que tous les ennemis ont des dash, ont besoin de dash pour jouer, ils ne pouvaient juste pas jouer. Le Rakan ne pouvait rien faire, le Sylas non plus. Juste à elle toute seule, un seul personnage a empêché les ennemis de mettre des dégâts. Ouais. Ils ont même pas cliqué sur leur sort de dash parce qu'ils savaient qu'ils étaient niqués quoi. Excusez-moi du terme. Ils étaient niqués, c'est ça. Bref. Oh, c'est bon hein, de temps en temps. Oh là, oui, c'est correct. On a eu un beau fight. Oh oui. On va peut-être essayer de reprendre le contrôle, reprendre le timing. On va peut-être essayer de faire en sorte que... C'est ça, là il n'y aura pas d'action pendant à peu près une minute je pense. C'est histoire que tout le monde refarm, tout le monde se remette bien sur la lane. Les junglers font leur jungle. Pas d'objectif encore dans la lignée. L'Herald en 30 secondes quand même. Il y a l'Herald qui va arriver. Stack Fev, c'est pas le... Ah ok. Plus personne écrit en fait. C'est ça. Ok, Velvet. Velvet qui va attraper un kill sur la Poppy qui était un petit peu loin. Et ça continue sur Tartaroche. Tartaroche qui a pris un kill et qui a... Ouh, les petits pas. Les petits pas. Ouais, effectivement. Oh, Garen qui n'a pas eu sa bonne personne. Non, effectivement. Par contre, il y a Atrox qui arrive qui va essayer de ramasser, mais est-ce que c'est pas plutôt lui qui va se faire ramasser? Ouais, c'est ça ouais, que je pense. Ouais, c'est dangereux, hein, frérot. Ouais, ah, c'est dangereux quand même. C'est ça. Oh, peut-être, non. Non, 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 non. Elle est beaucoup trop faite, la Velvet. Mm-hmm. Ouais, c'est dangereux. Et Tartaroche qui, lui, par contre, a très bien joué de son côté. Petit pas. Bon. Je le sentais venir, tu vois, du côté de Atrox. Ouais, effectivement. C'est là le problème. C'est bien là le problème de notre équipe Nashor. C'est que des fois, on n'arrive pas à voir quand c'est dangereux. Enfin, on arrive à voir. Mais on décide de quand même y aller parce qu'il y a du hint. C'est ça. Trop confiance en eux. Ce serait dommage de voir une défaite, mais... Enfin, c'est pas lose, mais c'est juste la game la plus compliquée qu'ils ont jusqu'à maintenant. C'est ça, ça a pas été... Comparé à la game précédente, on s'entend, il y a une énorme différence. Non, ils ont pas l'habitude d'être... d'avoir le désavantage en early game. Mm-hmm. Mais c'est pas perdu. D'être poussé dans leur retranchement comme ça. Mais n'empêche, même si on voit du côté de Maisonneuve beaucoup de kills, des belles actions, tout ça qui sont réalisées, on a quand même un écart en gold d'uniquement de 200. Donc, c'est ça. Du côté de Limoilou, c'est pas alarmant non plus. On gagne pas, mais on est even, tu vois, on est pareil. Ouais. Bref, qu'est-ce qui va se passer? Le dragon. Dans une minute, par qui va-t-il être remporté? Est-ce que c'est Limoilou qui est déjà à deux dragons? C'est ça. Ok, Rakan qui a loupé son ult, qui s'est dodge par Ezreal, mais là il n'a plus rien pour engager Tartaroche qui est en train de répondre. Et petite auto-attaque, le Q-spell. Oh, ça va peut-être être un dive. Non, non, dive pas un Garen comme ça. Oh, mais ça met là pour eux, oui. Il n'est pas tout seul. Et c'est très bien répondu du côté de Limoilou. Par contre, l'ult de Garen qui était volé par Sylas. En même temps, on voit qu'en mid lane, c'est un dive qui a été proposé. Bon, 1 pour 1. Ah, par contre, le move Herald qui va faire très mal, surtout c'est un timing dragon. Ouais, vraiment. Il y aura la priorité des lanes et de Garen qui se fait découper. Bah, il a du répondant, mais il se fait découper quand même par la BOTRK. Ah, Velvet qui est déjà ses deux items. Qui prend la tour en plus. Ouais, ça va être. Ah, elle est en mission, hein. Elle est en mission. La Velvet, honnêtement, je crois qu'elle est tout seule dans sa partie parce que. Ouais, il y a le Sylas aussi, mais sa botte fait pas une game incroyable. Ilala. Ouais. Puis clairement, Velvet a l'avantage qu'elle a en ce moment deux systèmes de fête comparé au restant des joueurs de la partie qui sont à leur deuxième item maximum. Et qui ont leur bot. Ouais, tu n'as pas envie de la croiser seule dans la jungle. Exactement. En train de voir, tu vois. En mode Poppy. Non, c'est dommage, j'ai envie de dire. Là, elle a chopé 3 kills dans un espace très court. Mm-hmm. Il va falloir faire quelque chose. Est-ce qu'on a de l'anti-heal? Oui, il y a de l'anti-heal qui a été build du côté du Garen. Ouais. Donc, on a quand même un item pour contrer la Velvet. C'est ça. Mais après,
Là, c'est vrai que elle découpe les tanks et on a deux tanks du côté de Limoilou. Mais en plus, elle a beaucoup de dash, donc c'est compliqué à catch. C'est ça, mais par contre, avec Velvet... Ah, c'est peut-être maintenant qu'on va essayer de la catch. Là, ça va peut-être être un shot down. Non. Okay. Mais là, justement, avec Velvet, l'affaire, c'est que... Oh, on va juste rester. Non, on prend juste la tour, il n'y a rien d'alarmant là-dessus. Ah, ok, c'est bon. Et justement, avec Velvet, c'est juste que, oui, elle a beau avoir ses systèmes, mais lorsque les autres joueurs vont avoir tous leurs systèmes, ben, ils vont avoir atteint un cap. Ben ouais. Là, elle va pas nécessairement être aussi faible, on va dire, que aussi puissante. Ouais, mais comme je l'ai dit, elle a dans son kit de sort quelque chose qui fait que plus elle a de kills, ouais, plus elle fait mal. C'est sûr que ça peut être alarmant. Scale, même si, C'est sûr que ça peut être alarmant, mais... Ouais, mais... Velvet est le seul champion, est le champion avec le plus de vitesse d'attaque du jeu. Parce que... c'est simple, c'est... dans son kit de sort, c'est écrit en plus, le cap est désactivé, genre. Elle peut avoir autant d'attaque speed que possible. C'est pour ça que des fois, on voit des Velvet mitraillettes dans certains clips. Et là, je crains bien que... avec la BO, couplé à la BOTRK, ça fait très mal. Attention, l'engage de la Velvet sur la civière. Oh. Et c'est des engages du côté de Edgegunner. Excellente ult de Poppy, vraiment. C'est juste venu rendre la situation encore plus sécuritaire pour Limoilou. Ouais, après, c'est vrai que Sivir avait bien spell shield le bump de Velvet. Ouais. Mais elle aurait quand même pu se faire rattraper par la BOTRK. Effectivement. Donc bon. Excusez-moi si je me mute entre deux pour bailler. Je suis un petit peu fatigué. Un petit peu fatigué ce soir. C'est ça. Ça va aller. Du côté, donc on en est à où là? On en est à 1000 gold d'avance pour Maison Neuve. Donc c'est un petit pour 20 minutes de jeu. L'écart est pas si grand. On a déjà vu des games à 10 000 gold de différence à 20 minutes. Là c'est juste 1000 gold. La partie n'est pas finie. Elle va se prolonger. Au moins, là on a une game d'environ 40 minutes, je pense, devant nous. Ouais. Ouais. Surtout qu'on est à 2 dragons pour Limoilou. Un du côté de Maison Neuve et le gars qui est pris à partie tout seul, qui a un flash probablement, il va essayer de s'en sortir. Velvet qui va probablement dash à travers le mur, mais il y a du backup du côté de Limoilou. Ouais, ça va. Ouh, et c'est le kill qui a récupéré. Très bon Q-spell de Ezreal, blind en plus, il n'avait pas la vision. Et attention parce que là c'est bon, Aatrox, il va la tuer. Là c'est ton moment, le 1v1 frérot, c'est à toi, les mécaniques, ok, tu la bump. Ok, est-ce que Johnny ne prend pas de dégâts? Ok, si c'est Johnny, prend des dégâts quand même. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de la map, on fait le baron. Très bon bump de la part de Poppy qui empêche les joueurs de jouer. Malheureusement, Tartaroche est pris à partie par le Sylas de son côté. Les mécaniques peut-être? Ok, il le fait. Ok, normalement c'est récupéré avec le Q-spell. Oh, est-ce que ça va être tranquille du côté de Sylas? Oui. Dommage, il avait des petits pas quand même. Et puis, Velvet, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'en aller. Hop. On va se concentrer sur Syndra, puis on va retourner après ça. Oui, c'est bon, le shutdown était récupéré. Et c'était un achat qui a été cancel. Dommage, c'était au dernier tick de l'Ignite. On a enfin tombé cette belle bête. Ouais. Et le achat a été cancel, donc c'est une victoire du côté de Limoilou pour ce coup-là. Et Tartarus, ça s'est joué à rien parce qu'il a fait. Honnêtement, vu les petits pas qu'il nous a proposés, il méritait. Ouais. Oula, attends, c'est un peu le zoo là. Les Tartaroches qui méritaient de s'en sortir sur l'action. Mais là c'est bien ce que je pensais. Là il y a 5000 gold d'écart. Il y a 2 minutes on était à 1000 gold. Là on est passé à 5000. C'est ça, vraiment là. On peut voir clairement que ils ont l'avantage en fait pour les items. Voilà. Et aussi pour les objectifs. Oui, parce qu'évidemment ils ont ils ont le baron lâche, puis aussi, ben c'est justement, ils ont aussi un Drake. L'autre du côté du module, eux, ils ont deux, mais quand même, je pense pas que ça vaut un baron. Ouais. Après, le baron... Pardon. Le baron est vraiment intéressant. S'ils arrivent à push les lanes et à prendre des tours. Mais si c'est juste avoir un baron pour avoir un baron, ça sert à rien. Par contre, Edge Runner qui était un petit peu mal positionné, qui va se faire punir pour ça. Vraiment, oui. Et qui va peut-être in sa team, parce que maintenant sa team est lancée dans un teamfight. Bah, qu'il perd en ce moment à cause des dégâts de Velvet. Oh, un peu audacieux la part de Velvet, non? Okay. On va pas aller plus loin. Mais Edge Runner, malheureusement, qui a voulu ward un petit peu deep. Enfin, c'était pas deep vraiment au sens propre. Mais comparé à la position qu'avaient les ennemis,
C'était un peu ballsy de voir de. Je pense que la décision logique de Belvès, c'est d'aller faire évidemment le dragon. Ouais. Ça fait du sens, parce qu'évidemment, leur équipe, son équipe, est en business, vraiment. Ok, Garen qui va prendre le kill quand même sur Sayas. Et la Belvès qui est en train de solo le track de son côté. Belle stopwatch de la part de Sylas, il me semble. Mm-hmm. Et c'est ça, le deuxième dragon infernal qui est récupéré pour Maisonneuve. Donc c'est un. Comment dire, un pas de plus vers l'âme infernale. Voilà, là c'est Johnny qui est prise à partie, mais attention parce qu'il y a Belvette dans le coin et ça peut être dévastateur pour les Moelleux. Ouais. Et oui, coucou tout le monde. Et ça c'est va moi être. Le mec vraiment fed. Ok, ah c'est excellent ça en fait. Excellent ça. On ne pouvait pas rêver mieux. Personne n'est mort, on a chopé un kill. Mais ça a la destruction de la tour probablement. Oui mais bon. Oh peut-être pas non. Finalement. Au bon, belle défense. Ok, Garen qui se retrouve en 1v3. Fais attention à pas aller trop loin. Non c'est bon. Fou. La game n'est pas décidée. Il y a la Belvette certes, mais il n'y a que elle. Vraiment, malgré le fait que la Maisonneuve a clairement l'avantage. Ça, regarde, il se passe quelque chose, mais pas tant que ça non plus. Ok, Joyner qui re-engage et qui empêche la Belvette de dash. Elle va peut-être tomber parce qu'il y a beaucoup de heal du côté de Limoilou. Elle a un Zonia, c'est très clutch parce que ça va lui permettre de se repositionner. Et il ne se passera rien finalement. Par contre, la TP qui est lancée du côté de Sejuani. Sejuani qui n'a pas de dégâts mais qui va quand même pouvoir faire la différence, notamment grâce à son slow. Et oui, c'est ça, elle va ralentir tous les joueurs du côté d'Imoilou. Et le Atrox va sûrement tomber à cause de ça. Donc la TP de Sejuani qui a finalement été utile. Alors regarde, regarde-moi cette vitesse d'attaque pour Belvette. On le voit pas, mais c'est clair. Elle fait Mouda, 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 Mouda. Ouais. Comme Disney Jones. Oh là là, regarde-moi ça. C'est incroyable. Oui, vraiment. Mais comme que je disais, malgré le fait que Maisonneuve a l'avantage en ce moment, ça me prendrait que un petit ace pour en fait te remettre de l'avant de la part de Limoilou pour que la partie revire de bord. Vraiment. Ok, mais comment ace? Parce que ace, ça veut dire tuer cette Belvette. Ouais, non, mais effectivement, mais on l'a vu, Belvette a passé proche. Elle a passé souvent proche de mourir. Ouais, mais elle a sa lance de la mort, donc... C'est ça. C'est un item qui lui permet de rester en vie. Tu sais, genre, les dégâts qui sont censés la tuer, ils sont un peu, genre, déviés dans le temps, tu sais. Ouais, effectivement. Ça lui laisse peut-être le temps de mettre des dégâts supplémentaires pour tuer quelqu'un. Oui, c'est sûr, oui. Et choper le heal du kill. En tout cas, on voit que c'est compliqué pour Limoilou de reprendre le contrôle de la vision dans la jungle parce qu'on ne sait pas où est la Belvette. C'est ça. Surtout que du côté de Maisonneuve, on met l'accent sur la vision. On peut voir le Rakan qui a 75 de score de vision. Wow. Comparé aux 56 de la part de Edge Runner. Edge Runner qui est. Bah c'est un très bon support, donc tu sais qui est souvent dans les. Dans ceux qui ont le plus de vision, le plus d'impact. Mais là qui se fait un petit peu outclass par le Rakan cette game là. C'est dommage. Par contre, Spotify User 31 qui lui n'a posé que. Qui n'a que 8 de score de vision. Qu'il peut sûrement mieux faire, sûrement s'améliorer sur le warding. Tu veux la chaise peut-être, non? Non? Ok. C'est pour essayer de reprendre un petit peu d'énergie. Ouais, effectivement. Je n'ai pas vu de Red Bull, donc ça peut... Là, c'est ça qu'on veut en tout cas du côté de Limoilou, c'est faire un catch sur cette Belvette qui est vraiment problématique dans les teamfights. Après, c'est vrai que je dis qu'elle est problématique, mais le Ezreal est en 8-1 maintenant. Oui, c'est ça, ça commence... Il commence à... Mm-hmm. à être une menace aussi. Il commence à être tous des menaces, là. Ça commence à être vraiment dangereux pour Limoilou. Ouais. Et c'est ça, le Baron vient de spawn, on essaie de reprendre le contrôle de la vision, et sûrement le contrôle du mid, mais ça va, Maisonneuve n'ont pas mis l'accent sur le mid. Ah si, en fait, ils vont complètement essayer de chase Aatrox et Sivir, mais ce sont des champions qui ont beaucoup de move speed, donc c'est un petit peu compliqué. Par contre, Sylas qui se retrouve prise à partie par Limoilou, est-ce qu'ils ont le temps de shutdown? Non, ils ont pas le temps. Excellent, à cause du Zonia, et c'est un très bon Zonia de sa part. Ewok qui se fait go in. On a réussi à choper le kill quand même sur le Rakan. Et Tartarush qui se retrouve tout seul à essuyer les dégâts de la Belvette. Et c'est peut-être la première défaite de Limoilou qu'on est en train de faire sur nos jeux. Oui. Parce qu'effectivement, maintenant, Ezreal est rendu légendaire, ce qui pourrait être vraiment... Maisonneuve, un adversaire à la hauteur. Oui, effectivement. Enfin un. Ce sera sûrement les rivaux lors de la saison, la première place et la deuxième. Ça, oui. Signera sûrement entre Maisonneuve et Limoilou.
Et là, on voit les joueurs ne peuvent rien faire. C'est une fin de game, là. Ouais, vraiment. C'est une fin de partie. Il a bien joué. Ah, peut-être la Poppy qui pourra faire la différence. Ça m'étonnerait. Elle prend quand même le kill sur quelqu'un. Sur le Sylas. Ouais, ça a été FF du côté de... Ah non, pas encore. Il a là. Écoute. Très bien joué de la part de Maisonneuve. Ouais, effectivement. C'est maintenant, on sait que... Ils ont maintenant une menace à faire face. Voilà, tu n'es plus dans le champ par contre. C'est, il y a une menace. Il y a une menace Limoilou qui n'a finalement pas fini en 8-0. Oui. C'est dommage, mais j'ai envie de dire. Enfin, pas heureusement. C'est vrai que j'aimerais bien voir notre équipe gagner. Mais je veux dire, heureusement que la saison va pas juste être un stomp. C'est ça. Heureusement qu'il y a du rebondant du côté des ennemis. Oui, puis aussi, il faut quand même qu'eux, ils réalisent. Qu'ils réalisent qu'ils sont pas invincibles. C'est quoi. Ça. Là. C'est pas, ils sont pas des gens comme Faker. Là. On s'en parle. C'est ça. Faker, d'ailleurs, qui reparticipe à la finale des Worlds. Ah, depuis, vrai, ça faisait 5 ans qu'il n'était pas arrivé. Vous êtes 4 ans, 4 ou 5 ans, qu'il n'était plus arrivé en finale. Et là, il revient enfin en finale. La dernière fois qu'il était en finale des Worlds... Il avait perdu contre Samsung Galaxy. Voilà, White, il me semble. Bref, là, c'est à part, on s'en fout. Qu'est-ce qui se passe pour du côté des conquérants ? Première défaite. Ça fait mal au cœur, mais pas tant, finalement, parce que heureusement qu'on perd. Heureusement, vaut mieux perdre en pré-saison que de perdre en saison régulière. Effectivement, fait que là, maintenant, ils savent qu'ils doivent se préparer, qu'ils ont maintenant une menace. Ils sont à très bon niveau, mais ils sont pas invincibles, ils sont pas non plus au top niveau. Enfin, il y a certes un écart entre leur équipe et les autres, mais Maisonneuve aussi peut aller leur chercher une victoire. Ouais. Donc, il va falloir s'améliorer, ça donne un objectif. Faut pas stagner, faut s'améliorer, parce que si tu t'améliores pas et que Maisonneuve s'améliore, ils vont te dépasser. Ouais. Même s'ils t'ont battu là. Mais c'est ça, il va falloir avoir la revanche du côté de Limoilou. Est-ce qu'on a reçu des scores du côté des autres équipes ? Peut-être, je dis ça, l'équipe Dragon qui a gagné la partie, donc ils n'auront finalement pas le même score que l'équipe Scuttle, et l'équipe Scuttle qui a aussi gagné. Fait qu'au moins, du côté de l'équipe en général, de Limoilou, c'est quand même une victoire pour la deuxième game, on s'entend. C'est ça, on va dire le 1, hein, 2 games sur 3 sont win pour la deuxième game. C'est ça. Ça reste quand même un score correct, quoi. Faut voir le bon côté des choses, quand même. Voilà. Donc, attends, les Limoilou Dragon, Conquérant Dragon, qui se retrouvent avec un score de 5 wins, 3 lose. Et Limoilou Scuttle avec un score de 4 wins, 4 lose. Donc, du côté des Limoilou Scuttle, parce que là, il me semble que c'est fini. Là, la pré-saison est finie. Ok. On a... Enfin, si c'est ce que j'ai bien entendu. Peut-être que quelqu'un dans le chat pourra nous éclairer là-dessus. Mais donc, la pré-saison est finie. Donc maintenant, on va pouvoir enfin placer les équipes dans les poules, tu sais, dans les bonnes poules correspondantes, qui ont des gens de leur niveau. Donc si c'est bien ce soir, ça veut dire que Limoilou-Nashor sera forcément dans la poule des plus forts. C'est sûr, oui. Contre Maisonneuve, contre Victoriaville, bah, finalement les équipes qu'ils ont tag juste avant, je crois. Limoilou-Dragon, eux, vont être... attends, ils ont combien ? Ils ont 6 wins, 3 lose. Ah, je pense qu'ils vont eux aussi être... Non, eux, ils vont être dans la division juste en dessous. Et les Limoilou Scuttle, qui vont être dans la même division que les Dragons, je pense. Peut-être pas la même... C'est genre, on va dire, ils seront... il y a Div 1 pour Limoilou et Nashor. Et pour Limoilou Dragon, ce sera Div 2A, un truc comme ça. Et Limoilou Scuttle, Div 2B. Ouais. T'sais. Ils sont dans le même groupe, mais ils joueront pas contre non plus. Ouais. Voilà. Bref, c'était une soirée pleine en émotions. On a eu un pentakill, on a eu la première défaite. On a eu des draftings de haute qualité, j'ai envie de dire. Et Maisonneuve qui nous a surpris, parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit... Tu sais, après tous les stomps qu'on a vus, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une équipe à la hauteur, finalement. C'est vraiment, c'était presque choquant, même. Voilà. Et comme je le fais avec tous mes invités à la fin de la game, tu n'étais peut-être pas au courant, mais as-tu un mot à dire aux joueurs, à ta famille, une dédicace? Oh, j'ai le pas pape. Vraiment... Ouais, en vrai, la dédicace, regarde. Le pape, bah oui. Non, mais... Ben, la dédicace, bah oui. Dédicace. Non, pas vraiment, honnêtement. Je pense pas vraiment. Des mots... Un petit mot de fin. Alors, attends, faut que je me prépare, parce que souvent, je dis le petit mot de fin, mais finalement, le malaise fait que je clique pas sur le bon bouton. Tu sais, genre, on voit encore ta face après avoir dit le mot.
En tout cas, attends, oui, juste avant que tu dises deux mots de fin, prépare-le, cher Jean, tu sais, une belle phrase et tout. Et au pire, si c'est un flop, c'est pas grave, c'est d'autant plus drôle. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, abonnez-vous sur YouTube, voilà, tac 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 tac, faut rappeler. Aussi, suivez les scores qui vont être sur Facebook, parce que, enfin, suivez le Facebook des concurrents, parce que c'est là qu'on va poster tous les scores de toutes les semaines. On va faire des beaux visuels pour ça, les stats des joueurs aussi, qui aura les actualités. Et il y a des choses, des fois, des petits concours pour gagner des RP, j'en dis pas plus, Oh. mais c'est ça. Ce sera sur Facebook, il y aura toutes les actualités, donc suivez s'il vous plaît. Et le plus important, Twitch. Parce qu'on veut vraiment passer sur Twitch pour faire les lives. Et c'est ça, il faut que vous soyez un maximum à suivre sur Twitch pour que quand on lance le premier live Twitch, en tout cas, il y ait du monde qui le regarde, vous voyez? Que vous soyez au courant que ça se passe sur Twitch. Bref, prochain live seront sur Twitch, Facebook et abonnez-vous sur YouTube pour voir les matchs de Rocket League les mercredis commentés par... je sais pas si c'est encore Dra ou si c'est quelqu'un d'autre, mais ce sera commenté en tout cas. Est-ce que tu as trouvé ton petit mot de la fin, monsieur Wipubo? Oui, en fait, je voudrais premièrement remercier Fuju, en fait, pour avoir fait une excellente, pour avoir été un excellent partenaire pour mon premier Merci casting. et je te remercie à toi d'être venu Bien sûr. parce que sinon je vais caster tout seul. Oui, c'est ça. Vrai, voilà, un invité à chaque fois, c'est Ben plutôt oui. pas mal. Parfait. Puis sur ce, ben, je vous dis bonne fin de soirée. Et puis en espérant vous revoir. Parfait, bye bye! Just waiting here for you. I just want your presence. You got me feeling blue. Don't keep me waiting. Don't leave me in this way. Got me going crazy, and I don't wanna wait.
flow. Yeah, last night was some kind of war. I'm coming out like a waterfall. I check my phone, but you never call. Lost in the ceiling, caught up in the ceiling. I can't seem to let it go. Locked in this cage, I've been stuck here for days, and I can't seem to let you go. You pull me up and I put you down. You gave me love, then I stole your crown. You let me in, then I pushed you out. Pushed you out. Come let me make up for all these pain. I've been a mess, tied by all these chains. Open my eyes, now I can't see. Shut the key, yeah. Can we be free? I saw everything but you next to me. I know that I've been the enemy, but I've had my moment of gravity. Lost in the ceiling, caught up in the ceiling. I can't seem to let you go. Locked in this cage, I've been stuck here for days, and I can't seem to let you go. You pull me up and I put you down. You gave me love, then I stole your crown. You let me in, then I pushed you out. Pushed you out. Come let me make up for all these pain. I've been a mess, tied by all these chains. Open my eyes, now I finally see. Shut the key, yeah. Can we be free? Thank you.
gonna tell you what I saw. When you break it up, you'll see.